trois égos devant vous. Égos au sens du moi, l'ego imperium. J'ai le pouvoir de changer le monde. On est dans les travaux pratiques depuis l'ouverture de ce World Forum et on a pu constater, plénière d'ouverture, rappelez-vous nos exceptionnels speakers, les ateliers auxquels vous avez participé, que oui, il y a des solutions pour que chacun d'entre nous participe au changement du monde. Et l'ego au sens « je m'engage » vous incarne bien, madame et messieurs, Corinne Lepage, avocate, ancienne ministre de l'Environnement, ancienne députée européenne également, et vous avez en permanence sur votre bureau mille et une batailles. On vous a beaucoup vu ces derniers jours sur le sujet de Lubrizol. Vous avez alors, pas seulement pris la parole, mais aussi fait des propositions, bref, défendresse plus que des causes environnementales, mais des causes des transitions, parce que c'est les transitions qu'on va explorer cet après-midi. Et je sais que l'ego imperium, notre thème, vous passionne et votre parole sera précieuse. Bienvenue à Mathieu-Laine. Mathieu-Laine, qui est né à Lille, qui a étudié à Saint-Omer, à la Malassise. Vous-même, monsieur Lepage, originaire de notre région. Monsieur Lepage, qu'est-ce que je raconte, toi? Ça peut le faire dans ce sens-là, non? Ça peut le faire dans ce sens-là. Oui, originaire d'Amiens, c'est ça? Originaire d'Amiens. Et même allé à la Providence. Non, mais il y a un fil rouge, là. Mathieu-Laine, président de Letterman, professeur à Sciences Po et essayiste. On parlera de vos différents ouvrages au cours de notre séance, réputé libéral. Défenseur du monde libre. On s'expliquera au cours de notre séance sur ce qu'est le monde libre. Et surtout, vous dites, c'est votre thèse, que c'est un monde où l'État doit assumer ses missions régaliennes et veiller au libre jeu du marché. Et la question posée, c'est est-ce que cette proposition suffira dans ce contexte d'urgence des transitions? Vous aurez à vous expliquer là-dessus au cours de notre séance. Et puis, Xavier Bertrand, président de notre région, le président de la troisième région de France en population, celui qui déclare en permanence sa constante volonté d'être dans la connexion du terrain et de ses composantes. Et la composante des terrains, c'est les femmes, les hommes. Votre terme, être toujours à portée d'engueulade, hein, est désormais célèbre. Celui, et c'est surtout ce qui nous intéresse, qui a confirmé REF 3, comme la colonne vertébrale des transitions des Hauts-de-France. Et ça tombe bien parce que la région, on en a largement parlé ici hier soir au cours de la séance de REF 3, est chef de file. Et votre regard, vos projets pour entraîner l'ensemble des acteurs de ce territoire nous intéressent bien évidemment, mais plus que les acteurs, est-ce que nous pourrons avoir 6 millions d'acteurs des transitions dans les Hauts-de-France? Nous sommes aujourd'hui à peu près 6 millions d'habitants dans cette région. Alors, la première partie, on va vous inviter à une conversation. Alors d'habitude, on fait des tables rondes avec des tas de questions, vous n'y répondez pas toujours d'ailleurs. Et là, j'ai juste trois thèmes à vous proposer et on va vous laisser faire. On va vous laisser converser, vous avez les micros. Je garderai juste le timing puisque ça va nous emmener jusqu'à 15h10, donc à peu près 13 minutes sur chacun de ces trois thèmes qu'on veut vous soumettre et qui concernent bien évidemment le thème de ce World Forum. On va l'essayer et je suis sûr que ça va marcher et que ces conversations seront passionnantes. Le premier thème va s'afficher à l'écran tout de suite et on va le découvrir ensemble. Ce premier thème, j'espère, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on a eu des études fournies par l'ADEME hier, lors de la plénière F3, qu'une majorité de Français affirment aujourd'hui que la lutte contre le réchauffement climatique est un axe majeur. Ça, c'est le point de départ, c'est le point d'entrée. Et 77% d'entre eux disent que les changements nécessaires à engager doivent être faits de manière équitable. On en a débattu hier. Hein, pas tout pour ma gueule, passez-moi l'expression. Et pourquoi moi et pas les autres? Bon, il y a cette notion d'équité qui est importante. Et puis, les Français disent, et moi je veux contribuer au débat, 39% d'entre eux veulent avoir leur mot à dire. Alors, dans notre région, on a cette démarche, cette dynamique REF3,
qui engageait les territoires et les entreprises. Et franchement, ils sont au rendez-vous, un master plan avec plus de 1000 projets, mais ce sont des projets qui sont déjà des réalités. Donc c'est parti, mais la question qu'on voudrait vous poser, c'est « Et le citoyen dans tout ça ?» Alors, prenez la transition au sens large. La transition, elle est 360, elle est globale, elle n'est pas qu'écologique. Comment parvenir à entraîner le citoyen ? Y aura-t-il dans les Hauts-de-France 6 200 000 acteurs de la transition ? On vous laisse faire, 13 minutes. L'avis de la société civile, pour commencer ? Si tu veux. L'ordre spontané, ça marche bien, finalement. Oui, bah oui. Bonjour, d'abord. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui avec Xavier Bertrand et Mathieu Linné, de retrouver mon camarade Philippe Vasseur. Moi, je crois beaucoup dans le citoyen. Simplement, il faut qu'il puisse faire. Nos concitoyens ont beaucoup changé. Alors, pas forcément par plaisir, mais par nécessité, par réalité. Je prendrai l'exemple de l'alimentation. Vous prenez le bol alimentaire des Français, il est bouleversé en peut-être pas quelques mois, mais très peu d'années. Les gens veulent manger plus sain, près de chez eux, si possible une alimentation produite par des agriculteurs qu'ils connaissent, et ça a complètement bouleversé les circuits de commercialisation. Ça a commencé avec les AMAP il y a quelques années, et maintenant... c'est quelque chose qui se développe énormément, y compris dans les grandes enseignes. Ça a été rendu possible. Ça a été rendu possible parce que les agriculteurs se sont organisés, que les habitants se sont organisés et que ça a marché. Alors, c'est un exemple parmi d'autres, mais pour montrer qu'il y a une vraie volonté de faire quand financièrement c'est possible. Et on revient à la question de l'équité qui est évidemment essentielle. Il faut que ce soit possible financièrement, que ce ne soit pas trop compliqué, que ça n'ait pas trop de surcoût autre, en déplacement, en ce que vous voudrez, et qu'on ne voit aussi l'aspect positif. Dans l'exemple que j'ai pris, l'aspect positif, c'est la santé. Et en parlant aux gens de ce qui les intéresse, c'est-à-dire leur santé, leur qualité de vie, leurs moyens de vivre, je pense qu'on peut les entraîner. Mais encore une fois, le fait de rendre les choses possibles est quelque chose qui me paraît absolument essentiel. Et on y reviendra tout à l'heure quand on parlera du rôle de l'État. Je crois que s'il y a un rôle de l'État, c'est de rendre les choses possibles. Ce n'est pas toujours le cas. Bon, moi, je n'aurais pas fait l'animateur de cette table ronde, mais c'est l'État qui fait ou c'est la main du marché ? Magnifique animateur, non ? Si le politique pouvait se contenter uniquement d'animer, ce serait... Non, je vais faire une blague de libéral, ça ne va pas. La main du marché, telle que tu l'évoques, est tout de suite, pas dans ta bouche sans doute, mais quelque chose de caricatural. Quand je vous écoute, Corinne, il y a effectivement le citoyen, le consommateur, on l'a entendu dans la chanson qui a ouvert cette table ronde, qui n'a pas toujours la même opinion au moment où il pense et au moment où il achète. Mais il y a toujours une personne à la fin. Et le libéralisme, en vérité, quand il n'est pas caricaturé, c'est à la fois du droit, le droit des personnes, protégé par l'État, l'État de droit. Et le capitalisme, c'est un système qui est fondé sur les droits de propriété et la possibilité d'échanger librement. Et jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux, le capitalisme et la concurrence, dans le contexte de l'État de droit, pour avoir les meilleurs produits au meilleur prix, diffusés de la meilleure manière possible sur un territoire. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, c'est l'inverse de la pensée magique. C'est tellement l'inverse de la pensée magique que ça n'a été inventé par personne. C'est le fruit de l'action humaine. L'action humaine, c'est l'échange, c'est l'inter-échange entre des personnes libres. C'est fondamental de le rappeler parce qu'on ne le dit jamais, alors que c'est clé. Et donc... certes, nous allons rentrer dans le débat de qui doit faire quoi, de l'État, des collectivités locales et autres, mais en réalité, il faut toujours se souvenir que l'économie de marché, le libre-échange, quand il n'est pas dévoyé, et on pourra en parler, c'est sans doute à terme la meilleure manière de réaliser cette transition énergétique. Pourquoi ? Parce que, et on le voit bien aujourd'hui,
Il y a une prise de conscience qui a été celle de ce forum depuis bien longtemps, de vous-même, dans vos engagements. Il y a toujours des leaders, des innovateurs qui apportent de nouvelles idées et qui sont ensuite rejoints. Mais aujourd'hui, on en prend conscience. En tout cas, dans l'Occident, on sent bien monter le désir de manger mieux, de consommer mieux, et d'avoir un rapport différent à son travail, à sa consommation, à ses trajets, etc. Et cela, le capitalisme, qui n'est pas un monstre, en réalité, qui sont juste des personnes qui proposent, c'est l'offre qui crée la demande, identifie cela, propose de nouveaux produits, propose peut-être de nouveaux produits qui, effectivement, par la qualité, dans un premier temps, sont chers, mais quand ils atteignent des populations plus vastes, vont finir par voir leur prix baisser. Et je crois qu'il faut, au moins dans un premier temps, ne pas oublier qu'on n'a pas trouvé meilleur système pour faire avancer les choses. Et puis, deuxième élément, parce que je sais que Xavier ne va pas simplement passer les plats, et donc il va prendre la parole tout de suite. Et si on suit l'accord de Paris, il va falloir émettre autant de CO2 en 2050 qu'en 1950, alors que la population aura triplé au niveau mondial, et alors que le PIB aura été multiplié par 10. Donc vous avez un pic comme ça, puis on va redescendre. Si on fait juste fermer les centrales à charbon, ce qui est important, hein, et je pense à mes aïeux mineurs du nord de la France, mais si on ne fait que ça, ça ne marchera pas. Et donc la thématique du jour, elle est clé, à la fois bravo, parce que c'est effectivement tout le monde qui va pouvoir l'emporter, ça pourrait s'appeler le plurilatéralisme, et quelque part, je ne veux pas perturber l'organisation de cette table ronde, et je vais immédiatement passer la parole à Xavier, mais en réalité, découper le citoyen, puis le politique, puis l'entreprise, ça ne va pas. Tout doit se faire en même temps. Et j'en donnerai quelques exemples tout à l'heure. Tout doit se faire en même temps, mais si on revient à la question, c'est la question de l'implication. Je pense que pour ceux qui nous regardent, qui sont dans cette salle, ou ceux qui sont intéressés, habitant dans les Hauts-de-France, il y a deux questions. Pourquoi il faut aller dans ce sens et comment ? Je pense que le pourquoi a beaucoup pénétré les esprits. Beaucoup pénétré les esprits. Et si les responsables publics ne comprennent pas, on va au-devant de graves difficultés et peut-être d'affrontements entre les générations. Les jeunes générations nous disant à nous, « Eh, bande d'égoïstes, vous n'avez rien fait et en plus êtes en train de nous laisser vos poubelles. » Donc, le comment commence à être perçu de façon très nette, mais je pense qu'on a quand même un rôle à jouer sur l'éducation, l'enseignement des véritables enjeux, pour ne pas écouter seulement l'avis qui est prononcé le plus fort. Et là, ça peut faire partie des actions que nous allons avoir à développer dans la région, mais certainement aussi au niveau national et international, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Après, c'est comment ? Comment, moi, je peux faire et je sais faire. Alors, quand on demande, je ne vais pas vous demander à vous, plus vous êtes ici, donc vous êtes certainement plus engagé, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour justement lutter contre le réchauffement climatique ? Je posais la question l'autre jour dans une réunion, il y a des gens qui disent, dès que je peux, je change de voiture. Moi, bien évidemment, je trie. Tout ça, on le sait, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, sur le comment, on doit tendre des perches, donner des possibilités pour que chacun puisse savoir qu'au final, il peut faire beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Et après, il y a aussi un autre aspect, c'est que pour associer le citoyen, on a une crise du politique qui est terrible, dont le politique porte la plus grande responsabilité. La plus grande responsabilité. Il n'y a plus aucune confiance. Ce qui veut donc dire que la seule façon d'essayer de renouer avec la confiance, ce n'est pas de redonner la parole, c'est de redonner une forme de pouvoir. De redonner une forme de pouvoir. Nous allons mettre en place en 2020, dans la région, une forme de droit d'interpellation citoyenne. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nos systèmes, surtout dans un conseil régional qui a une configuration très particulière, c'est pas qu'il me manque des forces politiques dans l'hémicycle, mais il y a aussi des forces citoyennes qui ne sont pas représentées. Et je souhaite que l'on soit interpellé sur des sujets, et je suis certain que ce sera sur des sujets environnementaux, même des gens qui ne sont pas d'accord avec la politique que je mène au sein du conseil régional, mais qu'on soit obligé de s'expliquer, de débattre, et de dire, si on ne suit pas, pourquoi on ne le fait pas. Je reste intimement convaincu qu'au-delà des débats qu'il y a pu avoir sur le RIC, moi je ne suis pas favorable au caractère révocatoire, mais les pratiques de référendum sont beaucoup trop encadrées. Beaucoup trop encadrées, et il n'y a pas d'expression. Et je suis intimement convaincu que la façon de montrer comment on peut faire repose aussi sur une nouvelle forme de démocratie. Démocratie, je ne sais pas si elle est impérative, participative, mais il nous faut effectivement changer ça. Après, il y a une question quand même fondamentale à laquelle Corinne a plus répondu que toi, c'est la question de l'accès. Moi, je suis prêt
à mieux me nourrir. Moi, je suis prêt à améliorer l'efficacité énergétique de mon logement. Et je fais comment ? Quand je suis vraiment soit en dessous du seuil de pauvreté, soit avec un niveau de revenu et qu'un boulot qui ne me permet pas de faire. Et là, la main du marché, c'est pas si simple que ça pour qu'elle m'autorise allez, à changer ma chaudière. C'est pas si facile que ça pour que je puisse avoir accès à l'alimentation de clé. Et c'est pas que je veux pas, je suis pas fou, j'ai des gamins. Mais comment je fais quand je ne peux pas ? Et là, je pense que notamment pour ceux qui sont le plus dans la difficulté, qui ne sont pas seulement les gens privés d'emploi, mais aussi des gens avec un emploi, là, je pense que le capitalisme seul ne peut pas. Et que là, il y a l'intervention de la puissance publique. Je répondrai après, parce que je crois que j'avais commencé à répondre et je vais finir tout à l'heure. Alors, je voudrais aller dans ce que Xavier Bertrand vient de dire et répondre un peu à ce que vous avez dit tout à l'heure. Le marché, ok, c'est vrai que c'est comme la démocratie, c'est le pire des régimes, elle exclut tous les autres, ok. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et on sait très bien que le marché, avec la concurrence pure et parfaite, tout ça, c'est quand même pipo and co. C'est-à-dire que c'est pas la vraie vie, c'est pas là-dedans qu'on vit. Bon. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je pense que là où on a un besoin institutionnel, c'est sur notre manière de compter et sur la question des externalités. Tant qu'on n'aura pas résolu ces deux questions-là, c'est-à-dire qu'on ne paiera pas le vrai prix des choses, c'est-à-dire qu'on aura, dans le temps on parlait de la vérité économique des prix, moi je dirais la vérité écologique des prix, ou sanitaire des prix, ça ne marchera pas. Donc on a un problème de comptabilité publique et on a un problème de comptabilité privée. Alors, il y a des choses qui commencent à se faire autour de ça. Il y a la méthode CARE pour les entreprises. Enfin, il y a plein de choses, mais ça reste encore très embryonnaire. On n'avance pas. Nicolas Sarkozy avait lancé le rapport Stiglitz sur ces questions-là, dont on n'a strictement quasiment rien fait du tout. Mais je reste convaincue que tant que, finalement, je vais dire une chose un peu caricaturale, mais je vais la dire quand même, on est incité, parce que c'est moins cher, à acheter les produits qui ne sont pas bons pour la santé, pas bons pour l'environnement, eh ben, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'au contraire, on ait un système de prix et de comptabilité qui fasse qu'on soit incité à acheter les produits qui sont bons pour la santé, bons pour la société et bons pour l'environnement. Et ça, c'est une révolution copernicienne que seul l'État peut mener, à mon sens. Encore une ou deux minutes et on passe à la question suivante. Allez-y. De toute façon, c'est la même question, donc ça va aller. Encore une fois, soit on joue les caricatures, soit on ne les joue pas. Moi, je vais essayer de ne pas trop la jouer. La concurrence pure et parfaite, par exemple, ce n'est pas l'objet, mais ça ne veut rien dire. Et un vrai libéral sait que ça ne veut rien dire. Mon point était un début de réponse, à mon sens, c'est que la diffusion des bons produits au bon prix, trouvez-moi un système autre que le capitalisme pour qu'à terme, on y arrive, je pense que vous ne trouverez pas. C'est un fantasme. Et si l'État se saisit d'un certain nombre de ces sujets, je crains qu'on oriente certaines industries vers un sujet, mais qu'on crée des éléments de prix par la faveur qui sera accordée par cette réglementation, qui ne sera pas favorable en réalité à la personne que nous voulons vous et moi aider. Pardon, mais le meilleur moyen de sortir de la pauvreté, ça a toujours été le capitalisme. Mais si on regarde l'histoire des temps, c'est très difficile à dire pour un politique, et je comprends, mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui puisse le dire à la tribune un jour, mais s'il y a 90% de la population en 1700 qui était dans le seuil de pauvreté et qu'on est à 9% aujourd'hui dans le monde, c'est par le développement de ces techniques d'échange qui sont en réalité juste des droits et la capacité d'échanger sur un vaste marché. Et vous savez, je pense qu'on a un point commun, c'est que on n'aime pas le capitalisme de connivence. Le problème, c'est le capitalisme de connivence. Quand parce que vous êtes un haut dirigeant, vous connaissez les bonnes personnes et vous fermez le marché pour vous assurer que vous pourrez continuer à vendre au prix qui vous arrange par rapport à vos quarters, comme on dit, à vos rendez-vous avec les marchés financiers, et ça ne va pas. En revanche, on sent bien encore une fois qu'il y a un désir de produits de meilleure qualité et à terme de meilleure qualité dans les bonnes filières et qui seront au bon prix. Aujourd'hui, les États généraux de l'alimentation ont donné une loi, on peut la critiquer, mais il y a eu un vrai travail, je ne suis pas là pour représenter le gouvernement, loin de là, mais il y a eu un vrai travail pour remettre en selle les filières agricoles, pour que chacun puisse avoir une visibilité plus forte sur le prix, etc. On sait tous que ce n'est pas parfait, si le politique savait trouver les solutions comme le capitalisme de manière parfaite, ça se saurait. Mais je crois qu'il y a un effort, en tout cas, de collaboration entre les différents mondes. Et la course au prix le plus bas,
C'est abominable, mais c'est aussi ce qui a permis à des gens de se nourrir. La course au prix le plus bas pour la meilleure qualité, je suis certain que c'est la nouvelle course du capitalisme. C'est celle, en tout cas, qui doit advenir aujourd'hui. Moi, je crois... Allez-y. Oui, ouais, juste pas, avant qu'on se fasse couper. Moi, je veux bien, mais il faut de la régulation. Il faut une forme de régulation, parce qu'autrement, le capitalisme de connivence s'impose et impose sa loi. C'est du court terme, c'est des raisonnements à la con, mais il y en a quand même beaucoup qui pratiquent ça. Donc il faut la régulation. Non, en revanche, je ne sais pas si on abordera ça ensuite, parce que la question qu'évoque à l'instant Corinne, je pense qu'elle est clé. Tout le monde voit bien qu'on tourne autour de cela, que c'est la bonne solution, sauf que comme on l'appelle taxe carbone, les gens entendent déjà taxe, et derrière, il y a un problème. C'est la question de l'empreinte carbone. Vous avez une voiture, c'est une firme japonaise, elle est 100% produite dans les Hauts-de-France. C'est la Toyota Yaris. Et la nouvelle sera fabriquée ici. Est-ce qu'il est tout à fait normal qu'il y ait le même niveau de taxation qu'une voiture française d'un grand constructeur français qui est fabriquée intégralement en dehors de l'Europe ? Vous aimez les fraises ? Oui ? Au mois de juin. Voilà. En juin, vous mangez des fraises. Soit elles viennent d'à côté de chez vous, soit c'est de la gariguette qui est faite, ça ne vient pas d'à côté, c'est du Périgord. OK, vous avez envie de manger des fraises en décembre. Elles viennent de beaucoup plus loin. Est-ce que le niveau de taxe doit être le même ? Alors, moi, je suis entièrement d'accord réponse avec ça. Là-dessus. Mais oui, mais réponse là-dessus, bien sûr. C'est l'une des questions, sauf que derrière, je sais que ce n'est pas simple. Mais je vous réponds à tous les deux en deux secondes. Je pense que la voie est là. Le politique, il doit créer la mobilité, créer l'attractivité, créer la capacité d'entreprise. Et il doit permettre ensuite à chacun de déployer l'innovation, parce que finalement, la vraie bonne mondialisation, c'est celle de la science, de l'invention, de l'innovation. Enfin, là, j'ai encore croisé une boîte il n'y a pas très longtemps, française, qui a identifié le processus pour faire détruire le plastique, le transformer en poudre d'un côté, en eau de l'autre. C'est aujourd'hui quelque chose, c'est juste des chercheurs. Si un jour, ils atteignent la taille suffisante, c'est le Microsoft de demain, c'est extraordinaire. Ce sont des chercheurs français, c'est génial, ça s'appelle Carbios. Je ne les défends pas, je n'ai aucun intérêt là-dedans. Donc, le cœur de la matrice à terme, ça va être l'innovation, l'invention, etc. Le politique, il doit créer le cadre, et ça c'est très libéral, ou alors on est ultralibéral, moi je ne le suis pas, je ne suis pas anarchiste, pas ultralibéral. Il doit créer le cadre suffisant pour attirer les talents. Il doit également, effectivement, créer cette régulation, mais la régulation, ça ne veut pas dire de l'hyper-réglementation à tout niveau, parce que vous bloquez les innovations, et je sais que vous êtes tous les deux d'accord. Et puis on doit effectivement, et ça pour le coup vous le trouverez dans le monde académique, ceux qui me connaissent savent que c'est vraiment ma marotte, mais le monde académique a développé, et je vous enverrai tout ça si vous ne les avez pas, mais je suis sûr que vous les avez, des méthodes pour pouvoir compter en euros les externalités positives et négatives du monde des affaires habituelles. Il faut qu'à la fin du trimestre, quand les entreprises cotées passent au grill des marchés financiers, il n'y ait pas simplement les résultats purement financiers, il faut qu'il y ait intégré de manière monétaire, parce que ça permet d'évaluer avec une méthodologie robuste et sophistiquée, la possibilité de l'évaluer. Et pour moi, là, pour le coup, il y a une innovation qui peut venir à la fois du politique dans les incitations et du monde privé et mélangé au public, qui est le monde des chercheurs, avec une appropriation par les premières entreprises qui vont le faire. On a vu, tous vu, 200 grands patrons américains qui se sont mobilisés pour cela. On a vu Emmanuel Faber lancer sa propre initiative. On voit bien qu'il y a des acteurs du privé qui sont un peu plus conscients que d'autres de ce genre de choses. Eh bien, les politiques, les membres de la société civile, c'est pour ça que toutes ces questions finalement peuvent se mélanger et on peut continuer à parler, doivent être dans cette collaboration et ce n'est pas sale, en quelque sorte. Il ne faut juste pas caricaturer le marché comme, de mon côté, je ne dois pas caricaturer le politique. Alors, et le dernier point sur la taxation, oui. Un vrai libéral, il est favorable à la taxation carbone. Le problème, c'est qu'il y a une telle surtaxe, vous le savez mieux, il y a une telle surexagération de la fiscalité dans ce pays qu'effectivement, il y a un ras-le-bol. Mais le meilleur moyen, le mot-clé en réalité en économie, c'est liberté, bien sûr, et c'est incitation. Le moyen pour le politique pour créer les bonnes incitations, c'est de désinciter à ce comportement que nous considérons comme étant pas bon pour l'environnement. C'est par la taxe qu'on le fera. Il n'y en a pas d'autre, en vérité. Alors, petit arrêt de jeu. Alors, on n'est pas dans un débat, donc il n'y a pas de comptage de temps de parole, mais Mathieu Laine, vous tenez la corde quand même. Hein. Ça, c'est les libéraux. Non, le deuxième point... Vous voyez, quand il n'y a pas de régulation, comment ça se passe? Vous voyez? L'air de rien. S'il n'y avait pas de régulation, j'aurais pris le pouvoir, moi. Non, le deuxième point d'entrée, et puis vous reprenez votre conversation, il va arriver à l'écran là tout de suite. Ce deuxième point d'entrée, c'est quand on demande aux Français quel est le corps qui serait le plus efficace pour résoudre
le changement climatique, et encore une fois, prenez le changement climatique comme un des aspects des transitions. Il dit, c'est le boulot de l'État, 55%. Et les collectivités locales, 10%. Vous vous rendez compte? L'Europe est à combien? Elle n'apparaît pas. D'accord. Les entreprises? Je vous le dis dans 5 minutes. D'accord. Les citoyens? Je vous le dis dans 5 minutes. D'accord, ok. C'est long, 5 minutes. Hein. Non, mais je vais aller chercher mes documents. Tout le monde se partage 40% de toute façon. Je vais aller chercher mon document juste derrière. Mais bonne question. Non, mais là on voudrait avoir votre avis sur ce problème, parce que concrètement, les transitions, c'est l'engagement concret des territoires. Les territoires, les entreprises. Regardez les produits de sortie ou les non-produits de sortie du G7. Comment on fait bouger les lignes? Faisant bouger les États, parce que je pense que les gens sont pleins de bon sens. La responsabilité première, c'est celle de l'État. Et si l'État bouge, il peut entraîner la société civile et l'ensemble de la société. Si vous avez... Tiens, on prend... moi, je ne suis pas le champion du monde, Corinne sera bien plus qualifiée que moi pour ça, mais quand je ne connais pas, je demande aux gens qui savent. La question de la rénovation énergétique, c'est-à-dire les émissions de carbone à partir de ce que l'on fait chez soi, de l'activité chez soi, du chauffage chez soi. C'est ça le premier point. C'est ça le premier point. Certains me disent que c'est même 60% de ce que l'on pourrait obtenir en termes de résultats. C'est cela. Ça veut dire c'est les bâtiments publics de l'État, des collectivités locales. Ce sont les bâtiments privés, des entreprises, bureaux et autres. Et ce sont les bâtiments des particuliers. Si vous voulez que ça bouge, il faut que l'État donne l'exemple. Il faut que l'État donne l'exemple. Et d'autre part, il faut aussi que l'État crée le cadre incitatif pour qu'on puisse rénover son logement. Il y a ceux, effectivement, qui peuvent le faire. On est en train de revenir sur les exonérations en disant, mais eux, ils ont les moyens, ils n'ont pas besoin. Je pense que ce n'est pas le bon message, surtout par les temps qui courent. Et puis aussi, comment on aide concrètement, en termes de formalité et en termes d'aide financière, ceux qui n'ont pas les moyens de le faire par eux-mêmes. Et là, on peut tourner ça dans tous les sens. Ce n'est pas les régions, les départements, les communes qui peuvent le faire à la place de l'État. Donc il y a cette direction qui doit clairement être donnée. Si on veut aller sur la question de l'énergie, sur les énergies de demain, je pense, je ne vais pas rentrer dans le débat, chacun connaît mes choix, mes priorités, mais la question des énergies renouvelables, la question aussi, si on va plus loin, de l'hydrogène, la question justement du gaz, et encore l'hydrogène complètement décarboné. Derrière ça, il faut bien qu'il y ait un cadre qui soit donné, une direction, de façon à ce que nous puissions aussi aller plus vite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous défriche le terrain, qu'il soit réglementaire, qu'il soit aussi au niveau de l'écosystème économique. Et c'est pareil pour nos concitoyens. Donc je pense sincèrement que si on attend que l'État bouge, on pourra peut-être parfois attendre longtemps. Donc nous, on doit bouger en sachant que nous n'avons pas tous les leviers pour tout actionner. Mais si je peux me permettre un autre débat, il est aussi européen. C'est pour ça que je vous posais la question, ce n'était pas du tout un piège. On voit les choix qu'a décidé de faire l'Allemagne en matière énergétique. À dire environnemental, le central à charbon, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas très peu génial pour leur atmosphère et leur environnement à eux, parce qu'il n'y a pas de frontière entre la France et l'Allemagne pour l'environnement, pour l'air que l'on respire. Donc là, il y a aussi cette responsabilité qui est une responsabilité européenne, j'en suis intimement convaincu. Mais je pense que les gens, avec beaucoup de lucidité, se disent « faut que là-haut ça bouge pour entraîner », mais quand vous regardez bien, c'est l'État à 55%, c'est pas l'État à 100%. Chacun comprend bien, c'est un peu l'image du colibri, que s'il y a un petit battement d'aile à tous les niveaux, ça fera quand même du bien déjà sur la prise de conscience et que ça y contribuera. Et puis après, bon, moi je vais plus loin, hein. Tu me reprends si je dis des âneries. Quand vous avez la question de l'Amazonie, quand vous avez la question du bassin du Congo, je donne ces deux exemples, c'est Jean-Louis Borloo qui me l'a expliqué, que vous voyez que ce sont les principaux champs qui sont capables de capter du CO2, c'est pas Bolsonaro qui fout le feu à la jungle amazonienne, hein. C'est aussi les gens là-bas qui mettent aussi le feu pour avoir d'autres activités. Si ce n'est pas protégé, et comptez pas sur Bolsonaro, si ce n'est pas protégé au niveau international, au niveau mondial, si derrière on ne protège pas ce qui est à mon avis une sorte de patrimoine mondial, et que ça n'est pas fait par les entreprises les plus polluantes au monde, on n'arrivera à rien. Et là, il est vrai que celui qui dit « Eh oh, moi je trie là, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire sur ces deux réservoirs de capteurs de CO2 qui sont là-bas » Là aussi, on s'aperçoit que ce n'est pas la région, ce n'est pas une commune qui peut le faire. Ça, c'est un mouvement au niveau de l'État. Donc je pense qu'il y a quand même une direction qui est à donner. Il y a une implication très forte pour entraîner les autres. Pas pour faire en disant « Eh oh, moi je suis l'État, je fais pour vous », mais pour entraîner les autres. Moi, je partage totalement en tout point ce que Xavier Bertrand vient de dire.
J'ajouterai ceci. Je pense, Xavier Bertrand parlait il y a un instant de la défiance à l'égard du politique. Je pense que l'inaction que les États ont manifestée depuis des années et des années fait partie de cette défiance. Parce qu'on dit aux gens, c'est vachement important. Ah ouais, et vous faites quoi? Rien. Ah bon, ah, c'est vraiment important et vous faites rien? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou c'est important et on fait, ou c'est pas important et on n'en parle pas. Mais voilà, ça, c'est pas possible. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que les vrais changements, la vraie transition, aujourd'hui, elle se fait dans les collectivités locales et elle se fait dans les entreprises. Et qu'au niveau des États, c'est quand même extrêmement décevant. Extrêmement décevant. Alors, bon, il y a des exemples contraires, on peut en trouver. Il y a des États dans le monde qui font des choses, je pense au Costa Rica, par exemple, qui fait des choses tout à fait extraordinaires. Mais c'est un petit pays et qui a misé sur la forêt et sur le développement durable pour faire tout son développement. Mais c'est un petit pays. Est-ce que je peux t'interrompre? Oui. Pourquoi les États ne font pas? C'est parce que ceux qui dirigent sont abrutis, ne comprennent pas. C'est parce qu'ils sont coincés budgétairement ou est-ce que c'est parce que c'est les lobbies? Alors, j'allais dire les trois mots général, mais plus le 2 et le 3. C'est vrai que c'est des sujets qui étaient très complexes et qui n'ont pas intéressé beaucoup le monde politique jusqu'à il y a quelques années. Les politiques ne sont pas des idiots, ils ont très bien compris ce qui est en train de se passer. Donc la prise de conscience du monde politique, à mon avis, elle existe comme chez nous tous. En revanche, il y a des contraintes budgétaires, ça demande des changements budgétaires considérables. Et on a quand même, notamment chez nous, mais pas que chez nous, des institutions qui n'ont pas trop envie de bouger les choix budgétaires qui ont été faits depuis des années. C'est une première observation. Et puis deuxièmement, il y a quand même des poids de lobby qui sont tout à fait énormes. Je donnerai un exemple. J'ai été fascinée par un bouquin que je vous recommande, qui s'appelle « Perdre la terre », qui est un bouquin écrit par un garçon qui s'appelle Nathaniel Rich, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui raconte comment on a loupé le coche à la fin des années 70. On, c'est nous tous, hein, c'est le monde. Carter était prêt à faire tout le plan de lutte contre le dérèglement climatique. Tout était prêt. Et une conférence qui était prévue dans le nord de l'Europe au début de l'année 80, qui lançait... Accord de Paris, puissance 2 ou puissance 3. On était en 1979. Vous vous rendez compte si on avait vu ça en 1979? Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que Reagan a été élu et que c'est les pétroliers qui ont pris le pouvoir. Voilà. C'est un exemple très concret. Ce livre raconte ça en long, en large et en travers, avec tous les détails. C'est pas très long à lire. C'est presque un roman policier. C'est épatant. Vraiment, je vous recommande cette lecture. Et ça montre bien comment ça fonctionne. Et moi, j'ai pu voir au niveau européen, tu parlais à juste titre de l'Europe, qui est quand même très absente de tout ça, alors que c'est là que ça devrait se faire. Le poids des intérêts économiques au niveau européen est quand même absolument colossal. Il nous reste 5 minutes. Oui, voilà, Mathieu Hélène, je peux rattraper maintenant? Ouais, voilà. Vous n'avez rien à rattraper, ils l'ont rattrapé. Voilà, très bien. Yard, ils parlent tous les deux maintenant, c'est foutu. Non, je veux juste finir par une anecdote. Parce que je comprends, il y a une prise de conscience, et quand on est habité par une cause, qui est votre cas à tous deux, et c'est vraiment très, très respectable, on trouve que c'est jamais assez, et c'est très juste. Cela dit, il y a quand même des choses qui se font aujourd'hui. Vraiment une anecdote que j'ai vécue. Il se trouve que dans ma vie, j'ai la possibilité de temps en temps d'envoyer des messages au président de la République, et qu'il les lise, et que ça donne quelque chose. J'ai une de mes amies qui s'est préoccupée de l'impact des climatiseurs sur le réchauffement climatique, parce que pour faire du froid, il faut faire du chaud. Et qui m'a expliqué il y a à peu près un an que la demande de climatiseurs dans le monde allait exploser et allait être multipliée par 3 entre les années 2000 et 2100, et que d'ici 2050, si on restait sur cette tendance, la consommation juste mondiale, juste liée aux climatiseurs, correspondrait à la consommation d'électricité actuelle des États-Unis plus l'Allemagne. Terrifiant. Je me saisis du sujet, j'envoie un télégramme, comme on fait aujourd'hui, en considérant que c'était sans doute pour ses équipes plutôt que pour le président. Le président s'en saisit, reçoit cette personne dans dans cette espèce de lab qu'il a créé avec Brune Poirson et d'autres, qui est un laboratoire pluri-compétence, si je puis dire plurilatéral, puisqu'il y a à la fois des universitaires, des chefs d'entreprise, des chercheurs,
des étrangers, des Français, lui-même en tant que politique, il prend des notes, quelqu'un qui va dans la granularité des sujets, ça on ne peut pas lui enlever. Et puis il se saisit de ça. Il n'a jamais communiqué dessus. Hein. Il voit, quelques semaines plus tard, le président Xi, le président chinois. Et puis il lui explique tout ça parce qu'il avait toute l'information. Un mois plus tard, vous trouverez ça sur les sites internet dédiés, le président chinois, alors malheureusement, ça c'est le positif des systèmes autoritaires. Le président chinois se saisit du sujet et annonce que d'ici à 2022, il y aura 30% de climatiseurs anciens qui seront remplacés par des climatiseurs nouveaux qui ne vont pas dégager ces fameux gaz HFC qui sont très polluants pour l'atmosphère. Vous avez là l'aile de papillon, un SMS, une conviction portée entre deux présidents. Le rôle de l'État, il se fait là. Et la prise de conscience d'un président chinois par un président français, qui, le président chinois, explique que c'est grâce au président français dans une bilatérale. Et le truc est tellement bien parti qu'au G7, ils ont pris les autres les yeux dans les yeux et que l'Inde a suivi. Je trouve que c'est plutôt une belle histoire pour conclure. Si je peux me permettre, envoie-lui un message, ça plairait pas notamment sur tout ce qui est intelligence artificielle, avec tout ce que ça va nous bouffer comme énergie, alors que nos systèmes de production ne seront pas capables de l'analyser. Hein. J'étais donc sûr si je peux me permettre, envoie-lui aussi un message. Hein. Parce que la responsabilité éthique et environnementale de l'IA, alors ça, c'est pas le sujet de demain ou d'après-demain, c'est le sujet déjà d'aujourd'hui. Alors, je finis juste là-dessus. C'est parce que derrière, il n'y a personne qui maîtrise ce qui produit. Et entendons-nous bien, hein. Je suis peut-être plus tout jeune, mais je suis pas encore totalement ringard, c'est-à-dire que j'ai conscience que sur tous ces sujets, l'IA, faut pas chercher à relever le pont-levis et à déverser l'huile bouillante, on serait complètement taré. Mais derrière, il n'y a aucune éthique environnementale chez ceux qui sont derrière l'IA. Donc là, si tu as l'occasion, un petit télégramme au président. Tu l'as aussi, tu l'as le numéro. On compte sur vous. Hein. Alors, il nous reste 3-4 minutes, madame, messieurs. Ouais. Non, mais sur l'IA, en deux secondes, il y a eu une conférence dans la Silicon Valley, justement, en juin, sur le sujet de l'IA, qui a réuni tous les grands acteurs de l'IA sur le sujet, et pour le coup, j'ai des gens de chez moi qui y sont allés. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas de prise de conscience, je crois au contraire qu'il y a une pression qui est là, il y a effectivement des dégâts, il y a également des opportunités absolument gigantesques, parce que l'intelligence artificielle va se saisir d'un certain nombre de données, comme on dit. Et, je vois bien, toi, c'est évidemment les espaces de stockage et toutes ces conséquences, mais va nous permettre de modéliser bien mieux, va nous permettre d'optimiser les propositions qui vont être faites aux consommateurs citoyens, et cette collaboration-là, je sais que tu... C'est ce que disait Corinne, c'est l'idée de prendre un temps d'avance. Vous recevez une photo, je ne sais pas si vous en recevez de temps en temps des photos, des images sur votre téléphone, c'est comme si vous allumiez une fois la lumière chez vous. Ouais. Combien de fois vous allumez chez vous, au final? Oui, il nous reste 3-4 minutes, je vous laisse terminer la conversation, il y avait juste un dernier point, vous reprenez la parole juste après madame, si on peut nous mettre à l'écran le dernier point s'il vous plaît, il est très cash et il est rapide, voilà, ça va, près de 80% des Français disent les entreprises et les marques, hein, donc c'est aussi le français consommateur qui s'exprime, les entreprises et les marques sont les premiers acteurs reconnus pour agir en faveur des transitions. L'État, entre parenthèses, arrive en deuxième position. Et 82% de des entreprises du CAC 40 n'ont pas atteint leur objectif de neutralité carbone. La question, c'est faut-il contraindre ou laisser agir, si on veut faire avancer les choses. On garde 5 minutes, hein, parce qu'après, on a une deuxième séquence. Juste, ça mériterait déjà une heure de débat, cette histoire-là. Hein. Et je n'ai pas répondu sur l'IA, mais bon, je n'ai pas le temps. Sur ce point-là, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. Si vous ne voulez pas contraindre, il faut que vous ayez un système de prix qui intègre les externalités. C'est tout. C'est ou l'un ou l'autre. Ou c'est de la réglementation ou c'est de la fiscalité. Il n'y a pas le choix. Sinon, vous n'aurez rien du tout. Vous parliez de comptabilité extra-financière tout à l'heure, même si je ne veux pas employer ce terme-là. C'est très bien. Quelles conséquences aujourd'hui? Bon, un peu avec SG, l'article 173 de la loi sur la transition énergétique, la croissance verte. D'accord, mais enfin, on voit bien que ça produit vraiment quasiment rien du tout. Donc, ou bien, on considère qu'il faut changer de braquet. Moi, c'est ma position. Et à ce moment-là, il faut qu'on ait un système économique qui marche avec. Ou bien, sinon, c'est de la contrainte.
Oui, bah, de toute façon, évidemment, je préférerais mille fois à la contrainte le système d'incitation. Et je le rappelle, la défense du monde libre, du libre-échange, etc., n'interdit, et, enfin impose même, l'existence d'une part de règles, de normes, et les normes peuvent être incitatives, ça s'appelle les nudges dans le discours académique, et d'autre part, la possibilité de flécher un certain nombre de comportements par la fiscalité, je l'ai déjà dit, la difficulté pour le politique aujourd'hui, Xavier le sait mieux que personne, c'est que vous voyez bien ce qui s'est passé quand tout à coup une taxe est arrivée sur ce sujet qui avait en réalité cette vocation-là. Donc elle s'est mal tombée au mauvais moment. Mais après, il y a aussi tout un travail de pédagogie. Je pense que là, je ne suis pas du tout partisan dans tous ces sujets politiques, mais la pédagogie doit se faire aujourd'hui. Redonnons beaucoup plus la parole aux chercheurs, aux enseignants, à la science. Je crois que le politique devrait les mettre en avant, s'associer avec eux, sans doute vous le faites. Et il y a quand même un besoin aujourd'hui quand même de rationalité, alors même que les peurs collectives ne cessent de se déployer, parce que le politique en souffre, les entreprises, les marques également. Ce sujet est trop sérieux pour le laisser à des gens qui font des caricatures et qui profitent des réseaux sociaux pour embraser comme ça de l'émotionnel. Quand il y a trop d'émotionnel et pas assez de rationalité, on sait malheureusement comment ça se termine. Donc je préfère que nous ayons des politiques rationnelles qui travaillent avec des chercheurs et s'approprient cette pédagogie-là. Mais si je peux me permettre, plus dans le même cadre. Plus dans le même cadre parce que singulièrement, on va dans le mur. On va dans le mur. Et c'est vrai que, je le dis à Philippe, et je veux saluer Philippe à la fois pour son rôle d'initiateur sur ce World Forum et aujourd'hui sur le fait que c'est lui le patron de Rêve 3 dans la région. Ce n'est pas un élu seulement qui a pris ça en main, même si c'est moi qui suis son correspondant dans la région, c'est lui qui le fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il a cette approche société civile qui est essentielle pour qu'on puisse réussir. Mais reprenons l'idée de départ du World Forum. Notre système va dans le mur. Pourquoi ? Il y a une crise du politique, donc quand le politique parle, il n'est pas cru, donc il a du mal à entraîner. Il y a une crise des inégalités sans pareil. On a longtemps pensé que c'était ceux qui n'avaient pas de travail qui n'arrivaient pas à s'en sortir. On voit en France aujourd'hui que même avec un travail, on n'arrive pas à s'en sortir. On n'arrive pas à faire plaisir à ses enfants, on n'arrive pas à leur garantir leur avenir. Et donc c'est la raison pour laquelle la taxe qui est venue en plus, elle est venue sur un contexte qui a été négligé, qui n'est pas un contexte des 30 derniers mois, mais des 30 dernières années. Et les gens n'en peuvent plus, c'est pas qu'ils ne veulent pas. C'est tout simplement qu'il faut leur rendre, comme le disait Corinne, tout ça accessible. Troisièmement, on a une autre révolution qui va normalement faire du bien, c'est la révolution digitale, qui va créer une casse en termes d'emploi à court et moyen terme. Si, si, c'est une évidence, il suffit d'aller voir les experts comptables, regarder les banques, ce qu'elles annoncent tous les jours, regarder les assurances. Et donc derrière, je ne dis pas ça pour dire qu'on va l'empêcher, c'est que le boulot du politique, c'est de comprendre qu'on est dans une course de vitesse et qu'on a plutôt intérêt à changer nos systèmes de formation pour préparer au métier de demain, à tout ça. Et en plus, il y a l'urgence climatique. Donc ça commence à faire beaucoup sur les épaules d'un monde et d'un système qui doivent se rendre compte que ça ne va pas tenir longtemps. Entendez-vous bien, je ne suis pas un mec dépressif, vous me connaissez, je ne suis pas non plus le Che Guevara, mais si on ne met pas derrière ça de nouveaux enjeux et de nouveaux process, on va se casser la gueule. Parce qu'il y a la révolte en plus des peuples qui sont en train de vous dire, on a compris que soit notre bulletin de vote, soit par la contestation, on peut foutre par terre un système qui soit nous a méprisés, soit nous fait mal tous les jours. C'est ça le fond du problème. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une forme de prise de conscience ou de révolte. Et sur la partie climatique, il faut arrêter d'ironiser sur les jeunes et sur les mouvements de jeunes. C'est tout simplement qu'ils disent, on pense que dans les 10 ans qui viennent, ça peut changer. Et vous, là-haut, qui êtes aux commandes, vous avez vraiment intérêt à vous réveiller et à faire changer. Parce que derrière, ce n'est pas seulement la planète, c'est l'espèce humaine sur la planète. Moi, j'ai longtemps pensé qu'on pouvait avoir une crise, une guerre des générations à cause de la protection sociale. Alors nous, on a droit aux cotisations, mais les prestations, on n'y aura pas droit. Non, parce que sur la question environnementale, écologique, c'est encore plus fort que ça. Et là, c'est tout ce qui tient la société. Et derrière, il faut qu'on arrête sur les questions des déficits et autres. Il y a déficit et déficit. Si c'est pour faire des déficits de fonctionnement, il n'y a aucun ménage, aucune entreprise serait capable de faire. Mais purée, en ce moment, il y a des taux d'intérêt négatifs. Purée, c'est le moment où il faut investir à mort dans des infrastructures qui sont neutres au niveau carbone. Purée, si on ne le fait pas maintenant, mais on le fera quand ? On attend que le prix de l'argent remonte. Non, mais, et ça, c'est au niveau français.
mais c'est aussi au niveau européen. Quand je vois quand même, il faut que j'aille pleurer, il faut que j'aille me battre avec des méthodes dont je ne suis pas très fier, pour obtenir un canal Seine-Nord Europe, une péniche, c'est 200 camions. Purée, je n'ai pas fait l'ENA, je n'ai pas besoin de qu'on m'explique dans tous les sens. Mais même pour ça, il faut se battre. Il faut se battre. Et donc, ils ne comprennent pas. Et derrière ça, on le voit bien, il faut investir également dans la recherche, dans l'éducation. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Et ce qu'on essaye de faire dans la région, c'est pas donner des leçons, parce que même moi, je ne suis pas le mec qui a été dépeint comme le type le plus vert de la planète, mais j'ai compris également, par mes enfants notamment. Quand vous avez quelqu'un qui a 13 ans et qui vous dit « mais alors papa, maintenant on va toujours être malade », ok, c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir une piqûre de rappel. Mais derrière ça, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on doit absolument montrer que tout ceci n'est pas un retour à l'âge des cavernes, mais c'est au contraire, une façon de marier l'écologie et l'économie. Et là, la main très visible de l'État, elle doit sortir de sa poche et elle doit agir. Et elle doit agir parce qu'il y a des emplois qui aujourd'hui ne semblent pas complètement rentables, mais justement sur lesquels il faut une incentive. Si on veut en faire en sorte que l'empreinte carbone ne soit pas un beau débat de cet après-midi, mais qu'il y a des mesures qui sont derrière. Et moi, ce que je propose, parce que les élus, vous savez, même quand ils tiennent des propos qu'on trouve plutôt sympas, méfiez-vous des discours. Même moi, je me méfie de mes discours. Il n'y a que les actes qui suivent derrière. Et moi, ce que je propose, toute la démarche qui est celle aujourd'hui de Jean-Pierre après Philippe, obligez-nous. Mettez en place des process pour voir entre cette année et l'année prochaine ce qu'on est capable, non pas l'évaluation, de prendre, c'est pas de prendre comme engagement, de tenir comme engagement. Proposer aux collectivités locales, aux entreprises de la région, et t'as dit ça là, toi, sur scène, qu'est-ce que tu es prêt à faire? Et derrière, on évalue. Parce que la seule façon aujourd'hui, la prise de conscience, c'est bien. Les déclarations, c'est pas mal. Il n'y a que les actes qui comptent. Et le vrai sujet de la politique, il faut qu'elle comprenne un peu plus, il faut qu'elle la ramène un peu moins et qu'elle agisse un peu plus. En tout cas, c'est ma conviction. Alors, on va continuer le débat dans quelques instants sous une autre forme. Xavier Bertrand, vous allez nous quitter. Je n'ai pas monopolisé la parole. Il leur reste 3 minutes 49. Oh. Non, on les a dépassés, je crois. Bah, ils n'ont pas fini. Non, c'est plus 3 minutes 49. Non, c'est pas en rouge. C'est pas en rouge. Oh là, des informations, ouais. C'est un fake, c'est pas un fake. Non, la question, si vous l'avez déjà fait, quel engagement perso vous postez sur la plateforme rêve3egoton.fr? C'est pas sur la plateforme rêve3, Philippe, tu m'en guirlanderas pas. C'est un sujet qui était celui d'hier, c'est la journée mondiale sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Contre le gaspillage alimentaire, parce que le gaspillage alimentaire, on se dit, ouais, ok, d'accord, c'est développement durable. Ouais, c'est aussi lutte contre la faim. Et je ne vous parle pas de la lutte contre la faim en Afrique, en Amérique du Sud, c'est la lutte contre la faim chez nous et dans la région. Donc il y a des textes, en plus, je le dis, c'est quelqu'un de la région qui avait pris cette initiative, il était député et maintenant sénateur, c'est Jean-Pierre Decolle. C'est un avocat qui s'appelle Arash Darimbash, et on a en plus avec la place de l'agroalimentaire dans la région et des grandes et moyennes surfaces, je pense qu'on a tous les atouts pour être justement exemplaires en la matière. Et la question justement sur... Je ne sais pas qui fait ses courses. Moi, je fais mes courses parce que j'aime ça. Et puis, ça soulage un petit peu ma femme qui a plein d'autres tâches à faire. Notre façon de faire, la question du vrac. J'ai trouvé à Saint-Quentin qu'il y avait maintenant une boutique qui faisait du vrac. Ce n'est pas que c'est sympa, mais je pense qu'on peut vraiment faire œuvre utile. Oh, c'est un bel engagement. Ouais, évaluable, c'est mesurable. C'est un petit aile d'un petit colibri. Noémie, vous l'enregistrez? Xavier Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D. Je vous donnerai son 06 et son adresse mail. @autrefrance.fr, si vous voulez me joindre. Un grand merci, Xavier Bertrand. Merci à vous. Merci. Je vous invite à rejoindre la salle. Vous, je vous garde. Merci beaucoup. Et on va poursuivre le débat avec d'autres invités qui vont nous rejoindre maintenant. Merci beaucoup. Et qui sont, alors, on va les appeler... des représentants des différentes sphères de décision. Parce que ce qu'on doit bien éclairer là maintenant, dans les trois quarts d'heure qui nous restent, c'est comment engager chacune des sphères de décision de notre territoire au passage à l'action pour transformer le monde. Il y a la sphère de décision politique du terrain avec Guillaume Delbar, le maire de Roubaix, qui va nous rejoindre. Il y a la sphère de décision de l'enseignement avec Gert de Moinck, qui est là, professeur à l'EDEC, qui va nous rejoindre aussi. Il y a la sphère du culturel qu'on invite, et c'est majeur, au débat avec Laurent Dréano. Venez là, venez vous installer, qui est le patron de la Maison de la Culture d'Amiens. La sphère de l'économie sociale et solidaire, Sylvie Chesnel, Altereos. Vous avez des sièges partout, vous choisissez comme vous voulez.
Et puis le monde économique, Jean-Pierre Le Tartre, vous nous rejoignez tout de suite. Voilà, vous avez des sièges. Allez-y. Ah Laurent, il y en avait un pour vous là, là. Bah si, si. Ça vous va? Oui, très bien. Faites une photo, vous voulez un selfie? Alors, ce matin, nous avons réuni une dizaine d'étudiants. Hein, les jeunes sont très présents au sein du World Forum, et pas que d'ailleurs, tout au long de l'année, avec des assos, des ateliers qui sont organisés. Et on a bossé avec eux pour identifier des questions à vous poser. Et ce sont eux qui vont prendre le micro jusqu'à 16h20 et ensuite nous passerons à la conclusion. Vous nous rejoignez? Merci pour votre présence. Alors bon, on va se mettre un peu partout là, on va se débrouiller. Mais du coup, il reste un siège libre hein, si quelqu'un a envie de s'asseoir. Autrement, voilà, moi comme vous, je vais me mettre un peu partout. Alors, on fait un rapide tour de piste. Pour que vous présentiez rapidement, d'accord? Et puis après, on va engager le débat. On a préparé des questions à vous soumettre les uns les autres et on attend vos réponses. Vous commencez? Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Samuel Fergombé. Je suis étudiant en troisième année de sciences politiques à l'Université de Lille. En parallèle de ça, je suis coprésident d'une association qui s'appelle Tous les Possibles, qui agit sur le quartier de Lille-Moulin, de Lille-Centre et de Lille-Fives. Et on met en place des initiatives solidaires et on essaye de régler certains problèmes, comme par exemple la précarité culturelle. Voilà. Bonjour à tous, je me présente Aline Chelminski, je suis étudiante également à l'Université de Lille, donc étudiante dans le Master Management of European Affairs, qui est un master international et en langue anglaise. Bonjour, je m'appelle Diego, je viens de Mexique, aussi comme Lille, je suis étudiant de l'Université de Lille 1, le Master of European Affairs. Université de Lille maintenant. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis au centre EPI de Cambrai. Je prépare mon projet qui est moniteur éducateur. Très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Grégoire Gaonac et je suis à l'ICEN en dernière année sur les questions de cybersécurité. Mon engagement s'est fait sur trois étapes. Au début, je me suis engagé au Label Humanité sur les questions de la RSE. Ensuite, je me suis engagé à Ingénieurs sans frontières pour avoir une action plus militante, plus concrète. Et enfin, j'ai décidé d'avoir une approche qui est plus institutionnelle. Et j'ai découvert l'écologie politique et je me suis engagé du coup en politique. Voilà. Voilà. Les échéances qui se rapprochent. Hein. Bonjour à toutes et à tous. Léopold Kayser, étudiant à l'IMT Lille-Douai en spécialité énergie et environnement. Et également représentant national des étudiants des écoles Mines Télécom. Et c'est dans ces fonctions qu'on a initié un mouvement ingénieurs citoyens qui va nous permettre d'essayer de former dans ces écoles les étudiants aux enjeux sociétaux, aux enjeux climatiques. Et c'est ce qui va me permettre de faire un lien avec mon engagement et les questions qu'on va vous poser. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Annette Ambert, je suis diplômée de sociologie et d'un master en urbanisme aménagement spécialisé dans l'éco-développement des territoires. Et l'engagement que j'ai partagé via la plateforme Ergoton tout à l'heure, c'est que je ferai tout mon possible pour mettre ma vie professionnelle au service de la transition écologique, de la sobriété et de l'adaptation au dérèglement climatique. Top. C'est elle qui nous a trouvé la chanson d'entrée tout à l'heure. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Denitsa Christova, je suis étudiante en architecture à l'École nationale supérieure d'architecture et paysage à Lille et également je fais partie de l'équipe Habiter 2030 qui a porté le victoire de l'édition de Solar Decathlon de cette année. C'est une compétition internationale. Ils l'ont gagné. Hein. Oui, nous avons gagné. Ah ouais. Et d'ailleurs, on était la seule équipe française. C'est une compétition internationale qui met l'accent sur les projets innovants et la réalisation et création des bâtiments éco-responsables. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Estelle Rose. Je suis également récemment diplômée d'une licence de géographie et d'un master en urbanisme, aménagement, spécialité éco-développement. Et je suis cofondatrice du collectif Campus en Transition, qui rassemble des associations de l'enseignement supérieur qui travaillent sur la question environnementale. Emma. Bonjour à tous, je m'appelle Emma Bouvier, je suis élève en dernière année à l'IMT Lille-Douai, spécialité environnement et industrie.
et je suis également étudiant entrepreneur depuis un an et demi. Je travaille sur le développement d'un composteur connecté pour les cuisines. Voilà. Donc, vous voyez au profil de ces étudiants, ils sont concernés, impliqués, engagés. Et donc, on a brainstormé hein, ce matin pour identifier des questions. Il y en a pour vous tous, bien évidemment. Bah, qui veut ouvrir le bal, là, parmi vous? Léopold? Non. Allez, prenez le micro. Vous avez des micros, là? Il vous reste des micros? Ah, vous en avez un. Très bien. Allez-y. Donc, peut-être une question pour Madame Lepage et Monsieur le maire de Roubaix. Greta Thunberg, assez connue aujourd'hui, s'est posée derrière le slogan « Unis derrière la science ». Donc, j'avais une question. Est-ce que dans vos fonctions passées ou actuelles, vous avez consulté les scientifiques? Est-ce que vous avez pris des décisions avec des scientifiques? Et comme le disait Xavier Bertrand tout à l'heure, quand il ne sait pas, il demande à quelqu'un qui sait. Est-ce que sur des questions précises, la sphère scientifique, qui est proche parfois de la vérité sur certains sujets et dont on a besoin, est-ce que vous les avez consultés? Si oui, pourquoi on en est encore là aujourd'hui sur les questions environnementales et climatiques? Alors, Madame? Réponse oui. Alors, c'était il y a très longtemps. Moi, j'étais ministre il y a 25 ans quand même. Donc, c'était il y a très longtemps, oui. Parce qu'il y a des tas de questions auxquelles je ne savais pas répondre. Puis, je me suis rendu compte que tous les scientifiques ne disaient pas la même chose. Donc, j'ai essayé de monter un débat contradictoire entre scientifiques pour essayer, moi, de les faire répondre aux questions que je me posais. Et ensuite, j'ai fait des propositions au gouvernement sur la base de ce que j'avais compris. Et puis au Parlement européen, oui, j'ai travaillé avec des scientifiques, j'étais à la commission santé-environnement, et constamment sur les sujets notamment sanitaires et de sécurité alimentaire, j'ai travaillé avec des médecins, avec des spécialistes de l'alimentation et avec des gens en plus de la recherche pure. Voilà. Voilà, c'est pas pour ça que forcément les choses ont été, comme aurait dit mon prof de français, bouleversifiées. Oui, parce que la question de Léopold, c'est une question de bon sens. Et les scientifiques fournissent des preuves avérées, vérifiées, des propositions solides. Et ce matin, tu me disais, ouais, mais ils les appliquent pas. Alors peut-être que le politique écoute, mais ne fait qu'écouter. Alors Guillaume Delbarre, pourquoi on l'a invité, maire de Roubaix, 100 000 habitants, une des villes les plus pauvres de France, et en même temps de la transition à tous les étages, économie circulaire, ville zéro déchet, jardin partagé, enfin, des tas de trucs partout. Alors votre réponse là-dessus? Oui, on consulte les scientifiques, mais je pense que ce n'est pas suffisant, parce que comme on l'a dit dans la première table ronde, ce qui fait la différence, c'est quand les citoyens prennent le relais et changent leurs habitudes. Donc oui, structurellement, en plus moi je suis, en plus d'être maire de Roubaix, vice-président de la métropole en charge de l'enseignement supérieur, recherche, innovation. Donc évidemment, ça fait partie de mon quotidien d'interroger les scientifiques et puis d'essayer de repousser mes limites scientifiques, parce que je ne suis pas scientifique de formation. Mais moi je suis engagé depuis 5 ans, c'est aussi un moyen de dire que c'est en renouvelant aussi les perspectives, le personnel politique, les façons de regarder, qu'on peut changer les choses. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire modestement dans ma ville depuis que je suis arrivé, en expérimentant, mais en associant aussi les chercheurs, Corinne Lepage l'a dit, pour essayer d'apporter concrètement une vision plus scientifique et qui peut servir à d'autres, parce que c'est vrai que le principe de l'expérimentation, c'est d'essayer de tirer les conséquences de ce qui fonctionne bien. On est, nous, depuis hier, j'en profite pour saluer les représentants de l'ADEME, démonstrateur national de l'économie circulaire et du zéro déchet. On est parti tout petit dans une ville de 100 000 habitants, très modestement, parce qu'il n'y avait pas de petit livre rouge déjà écrit qui nous guidait, et on apprend beaucoup de l'expérimentation. C'est aussi notre manière de faire concrètement notre part des choses, et c'est aussi notre manière de rentrer concrètement, comme ça je réponds aussi à la première question de tout à l'heure que vous avez un peu oubliée sur des grands débats sur le capitalisme, dans Rêve 3, parce que c'est vrai qu'on a la nécessité de trouver des portes d'entrée concrètes pour les habitants. Et je pense que, par exemple, le zéro déchet, l'économie circulaire, c'est un moyen de faire changer les habitudes des gens. Mmh. Nous, sur, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais je le dis déjà, nous, sur 500 familles qui se sont mis au défi famille, il y a 47% de baisse de consommation de déchets. Donc, ça change concrètement les choses. C'est 30%. C'est mon engagement dans les Gotons, d'ailleurs. OK, on continue.
qui prend le micro. Allez-y, hein, enchaînez. Allez-y. Oui, après, on ira vers vous. Voilà. Prenez bien le micro. Oui, normalement, c'est bon. Du coup, le thème du forum ici, c'était Ego Imperium, j'ai le pouvoir de changer le monde. Et on voit par là qu'effectivement, pour changer le monde, apparemment, il suffirait de se changer soi-même. Et donc, du coup, en fait, ma question, c'est, comment dire, enfin, pour me donner un peu plus de contexte, il y a eu beaucoup d'études qui ont été publiées, par exemple, comme Carbone 4, qui montrent que même si l'intégralité de la population faisait des changements qui étaient drastiques dans leur quotidien, cette réduction serait encore largement insuffisante. Et donc, du coup, en fait, je porte aussi une frustration de la jeunesse, où on nous demande par exemple de recycler nos bouteilles en plastique, mais d'un autre côté, le Sénat ne fait pas passer la loi sur la consigne, ou les industriels ne remettent pas forcément en cause les questions de production de plastique. Et donc du coup, ma question est comment changer profondément le système, au-delà des individualités, sur des questions par exemple de décroissance, de mutualisation des ressources, et comment par exemple on pourrait changer les indicateurs de santé pour les entreprises et pour les États. Qui la prend, celle-là? Mathieu, vous la prenez? J'arrive plus à voir la géologue des micros, là. Je ne sais pas où ils sont, mais allez-y. D'abord, vous vous exprimez très bien, mais je suis un peu inquiet du parti dans lequel vous vous êtes investi. Non, bon, pas de droit de réponse. Hein. Non. Je rebondis sur... D'abord, évidemment, l'intention est juste, et je vais vraiment... J'aime pas du tout le mot décroissance. Récemment, on m'a parlé dans le monde universitaire de la désexcellence. Vous savez, quand on aspire à l'égalité, ça finit toujours mal. Pardon, je dois répondre vite, mais ça finit toujours mal. Et c'est jamais les populations les plus fragiles qu'on a en général baignées de rêves qui en bénéficient. Et donc, je suis évidemment favorable à ce que vous soyez décroissant si vous le souhaitez, mais je ne crois pas à la décroissance comme étant un mode de comportement qui devrait s'imposer aux uns et aux autres, et surtout pas par le politique. En revanche, bien sûr, débat d'idées, consommons différemment, laissons chacun se positionner à cet égard. Mais quand le politique se saisit, ou si un jour le politique se saisissait véritablement de la décroissance, de la désexcellence, etc., je crains que les gens qui ont bénéficié du monde libre et de ses principes fondamentaux en souffrent, y compris sur ce qu'ils auront à la fin du mois, y compris dans leur liberté personnelle. Donc je me permets ce point de vigilance, bien sûr que nous avons tous à cœur, je vous promets que je suis sincère, d'avancer vers un monde qui se préoccupe de tous les sujets que nous évoquons aujourd'hui, mais la décroissance, on n'a pas le temps de l'évoquer longtemps, mais non. Pas pour moi, en tout cas. Sujet qui avait été aussi plaidé par Bertrand Piccard, hein, dès mardi matin ici, on garde la croissance, une croissance réfléchie. Une croissance vertueuse et verte. Ça va? Moi, je voulais rajouter... Oui, allez-y. Alors, Sylvie Chesnel, à la tête d'Altereos, une entreprise d'insertion, d'inclusion. Combien de collaborateurs? 400. 400, exclusivement des personnes en précarité. Oui, fragilisées et en difficulté, en fragilité. Et ça marche. Allez-y, Sylvie. Alors, il y a une blague qui traîne en ce moment où on dit qu'il y a 100 000 jeunes qui rêvent de nettoyer la planète et dans le même temps, il y a 100 000 parents qui rêvent que leurs propres enfants, ces mêmes jeunes, nettoient leur chambre. Et je trouve ça que... Ça semble vécu. Changer le monde, très modestement, il faut déjà penser à changer le monde autour de nous et commencer par nous-mêmes, être acteurs les uns et les autres avant de demander aux politiques. Et je pense que vous, les jeunes, c'est vous qui ferez le monde de demain et vous devez impérativement être acteur et pas ne compter que sur les politiques, même si demain, vous en faites. Bien sûr. Alors, Jean-Pierre, très vite. Oui, je voudrais simplement dire par rapport au monde de l'entreprise et ces questions-là, la question aujourd'hui de la transition écologique ou plus exactement de la transition comme tu l'entends en général, et maintenant, un élément qui est intégré de plus en plus dans la façon dont les entreprises construisent leur stratégie ou leur mode de fonctionnement. Ce n'est pas vrai partout, mais c'est de plus en plus vrai. Et si on prend les jeunes générations, moi qui dirigeais une boîte qui recrutait 1200 jeunes par an et qui gère une moyenne d'âge de 28 ans, si on n'intègre pas ça, ils ne viennent pas. D'accord ? Donc là, on a effectivement de la décroissance.
puisqu'on n'a plus de quoi produire et vendre. Et aujourd'hui, la première question d'un jeune qui vient nous voir, c'est pas combien il est payé, c'est qu'est-ce que vous faites avec les gobelets en plastique ? Je caricature, hein. Mais c'est un peu ça. C'est pas anecdotique. Et moi, je vois cette pression positive qu'on a reçue de l'extérieur et la pression positive aussi qu'on a reçue de l'intérieur, avec l'importance, au fond, que les jeunes générations, chez nous, nous disent les choses par rapport au changement. Donc moi, je suis... L'élément optimiste qu'on peut avoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est intégré. Y compris, Mme Page, vous en parliez tout à l'heure, y compris dans le monde de la finance, où aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs prennent en compte ces critères-là dans l'évaluation des entreprises et dans leur décision d'investir. Sinon, ils ne viennent plus. Donc, est-ce que ce sera suffisant pour éviter le cataclysme ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça marche, avance. Votre question fait mouche. Ils veulent tous intervenir. On le fait une fois. Ça, parce que les questions suivantes, c'est flécher sur une personne, parce qu'ils ont plein de questions. Très vite, et vous aussi. Je voudrais réagir sur ce que disait Mathieu Lenné sur la décroissance. Moi, je ne suis pas une décroissante. Mais je suis réaliste. Si on imagine qu'on va continuer à utiliser comme on le fait nos ressources, on se met le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, parce qu'il n'y en aura plus, de toute façon. Donc, il y a des choses qui vont décroître, obligatoirement. L'utilisation d'un certain nombre de produits, obligatoirement. Quand on dit qu'on veut une décarbonisation de l'économie, ça veut bien dire qu'on veut décroître sur le carbone. Ça veut bien dire que toutes les industries, je suis désolée, hein, je suis carré, des entreprises qui dépendent du carbone, eh ben, elles vont décroître et peut-être un jour disparaître. Ou rebondir. Ben, et bien sûr, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en croissance, tout ce qui est de l'intelligence, pas forcément artificielle, de la connaissance, de tout ce qui est de la culture, tout ça, ça ne peut que croître. Mmh. Mais il y a d'autres domaines où, je suis désolée, on va décroître. Et obligatoirement, sinon on ne peut pas atteindre nos objectifs. Donc je crois qu'on ne peut pas rester sur le discours d'il y a 20 ans en disant décroissance, pas question, par rapport à tous les gens qui parlent de tout ce qu'il y a aujourd'hui autour du déclinisme. Mais attendez, c'est Gerd qui va parler. Bon, je sais. On avait dit pas de caricature. Hein, mais je voulais exactement dire ce que vous avez dit. Je trouve que la question de cet étudiant était pertinente. Il y a deux choses différentes. Qu'est-ce que moi je peux faire? Et puis après, qu'est-ce que le politique peut faire? Mais en fait, si on réfléchit de façon très rationnelle, ce que moi je peux faire, même si on fait tous un tout petit peu, s'il n'y a pas cet appui institutionnel, on n'arrive à rien du tout. Et donc, mais l'un n'exclut pas l'autre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas uniquement dire politique en attendant de rien faire. Je suis complètement opposé à ça non plus, mais votre question est tout à fait pertinente et je pense que c'est un peu naïf de dire qu'on va pouvoir continuer à croître, etc. Je suis complètement d'accord avec Madame Gerd Demoinck, professeur à l'EDEC et qui a lancé une filière business éthique. Question suivante. C'était vous aviez pris un ticket. Allez-y. Question pour Gert. J'espère que je prononce bien. Gert. Gert. Bon, voilà. Monsieur Gert. Le maire de Robert aussi, il peut intervenir. J'explique vite fait le projet Habiter 2030. On se concentrait sur la réhabilitation des maisons dites 1930. C'est des maisons mitoyennes de l'ère industrielle qu'on voit à Lille et enfin, dans la région. Et je me permets un peu de consulter des chiffres. Il y a plus que 700 000 logements de ce type dans la région. Et on observe qu'un ménage sur quatre est concerné par la précarité énergétique. Donc avec un taux de rénovement de 1% par an, on fait le calcul vite fait qu'on a besoin plus que 100 ans pour rénover ces maisons. Donc, en même temps, on observe qu'il y a un vrai manque de compétences. Il y a tout un tas d'acteurs qui sont investis sur ce sujet, mais on observe cette manque de compétences, donc des artisans, etc. Comment vous voyez le rôle d'architecte dans ce processus et des artisans est-ce que vous pensez que l'application des habitants, c'est important? Et est-ce que vous considérez la autoréhabilitation accompagnée donc des habitants formés comme une solution viable? Il y a une demande marché. Comment on va faire? Il y a des régions qui ont maintenant la compétence de la réno.
Mais ils sont où, ceux qui vont rénover? C'est une question très spécifique sur l'architecture et sur les artisans, etc. Absolument, je peux rien dire de sensé là-dessus. Honnêtement. Mais je voulais juste dire un truc là-dessus quand même, un élément. J'avais lu il y a quelques années, il y a très longtemps, 11, 12 ans, un livre qui s'appelait « Why Social Justice Matters ». D'un philosophe britannique, Brian Berry, un peu extrême-gauche. En fait, il avait un argument pour dire pourquoi la justice sociale compte et pourquoi, par exemple, une politique de logement, etc., c'est très important au sein d'un pays. Et son argument était le suivant, on a des défis planétaires et donc ça impose des contraintes à un moment donné aux différents pays. Et on ne peut pas les faire passer s'il n'y a pas un sentiment d'équité de l'effort. Et donc, on a besoin, notamment aux États-Unis, c'était son grand argument, aux États-Unis et au Royaume-Uni aussi, plus d'égalité au niveau sociétal pour qu'on puisse supporter collectivement des efforts de transition. Et sinon, on va droit vers des guerres, vers des conflits, etc., etc. Et je pense que, y compris le logement ou le transport ou quoi que ce soit, on a besoin de penser aussi, et donc c'était dans le slide avant, cette tension chaque fois entre équité et effort. On a vu ça avec les gilets jaunes, ça a clashé, et je pense que parfois avec des arguments qui n'étaient absolument pas convaincants et c'était parfois déplorable, mais on voit qu'il y avait un problème au niveau justice sociale qui fait qu'on doit absolument résoudre, sinon on n'arrivera pas. Et donc le problème de logement est un aspect de ce genre de problème en général. Et donc, je n'ai pas de réponse concrète. Évidemment, il faut investir dans un logement qui est plus écologique et moins polluant, etc. etc. Et on doit faire plus d'efforts. Mais c'est lié à une inégalité sociale, je crois. Ouais. Alors, très vite, Guillaume Delba. Ouais. Mais après, se prépare quelqu'un qui a eu une première question pour Laurent Dréano. Très vite. D'accord. Très vite, à partir d'un exemple, on est en train de tous se préparer pour une deuxième phase de la rénovation urbaine qui avait été initiée par Jean-Louis Borloo. Il y a deux manières de faire. Soit on la fait dans le mode traditionnel, c'est-à-dire en consommant un maximum de ressources, en multipliant les flux pour déconstruire, soit on le fait en mode économie circulaire, et là on aura beaucoup de vertus, beaucoup d'innovations à créer, beaucoup d'emplois à créer, et c'est vrai qu'une initiative comme la vôtre avec Habiter 2030, l'idée c'est de l'expérimenter au plus vite dans nos villes. C'est aussi pour ça que nous, par exemple, à Roubaix, on s'est lancé dans l'aventure de la maison à 1 euro avec travaux. Pourquoi ? Parce que on s'est toujours dit qu'il fallait construire plus, alors qu'il y a du logement vacant dégradé à traiter. Donc c'est à partir des initiatives concrètes comme ça qu'on peut changer les choses. Et à partir d'une même impulsion, oui, on l'expérimente modestement sur une dizaine de logements, mais c'est riche en perspective parce que c'est moins consommateur de ressources et on traite aussi la question du logement vacant. Donc vous voyez bien qu'à partir d'une même impulsion politique, il y a deux manières de faire. Une manière traditionnelle qui sera très consommatrice de ressources et mauvaise pour la planète, et une autre qui peut être non seulement source de croissance, mais de croissance innovante en créant des emplois nouveaux et des filières nouvelles. Ouais. Donc continuer à porter des beaux projets comme Habiter 2030. Moi, j'ai eu le plaisir de le soutenir avec la Fabrique des quartiers, qui est une société publique locale. Et puis à nous, après, d'avoir la culture de l'expérimentation pour passer au mode opérationnel. Il me semble, ce matin, je ne sais plus qui avait une question justement sur le droit à l'expérimentation. Qui ne connaît pas André Malraux parmi vous? Bon. André Malraux, qui est un ministre de la Culture, et il avait installé les maisons de la culture un peu partout en France. L'une des premières, c'était à Amiens, et Laurent la dirige aujourd'hui, et il y a toujours le pupitre où André Malraux avait prononcé son célèbre discours, 1954 ? Oh, pardon. Laurent, c'est intéressant parce que c'est lui qui a participé à la mise en place de l'île capitale culturelle européenne ici en 2004. Après, il est allé se perdre dans les ministères. Ici, on y est. Il est revenu sur le terrain. Alors, c'est vous qui avez une question pour eux? Oui, donc j'ai une question particulièrement pour vous. Comment, selon vous, la culture peut-elle être un moyen d'inclure tout type de citoyens, tout type d'individus, même pourquoi pas au-delà du territoire, des citoyens européens, dans cette dynamique du changement climatique? Et le changement du monde, nous avons tous le pouvoir de changer le monde. Est-ce que vous l'avez en toile de fond lorsque vous concevez votre programmation artistique? Est-ce que ça compte, ça? Alors, on va essayer de répondre
en peu de mots, parce qu'on pourrait y passer un séminaire, parce que la culture, elle est transversale à tout. Ainsi, au début des années 2000, on s'est rendu compte qu'on pouvait difficilement parler de développement durable sans inclure la culture comme le quatrième, ce qu'on a appelé à l'époque le quatrième pilier du développement durable. C'est bien parce qu'elle était transversale à la fois aux enjeux sociétaux, aux enjeux économiques et aux enjeux environnementaux. La culture, elle est partout, mais si on resserre un peu les choses, oui, alors on peut aider. Alors, avant de vous répondre, je vais prendre une phrase. Voilà, on peut partir d'un exemple. La semaine dernière, on présentait à la Maison de la Culture d'Amiens le spectacle écrit sur le texte de Laurent Godet, Nous, l'Europe, banquet des peuples. Et on avait affiché en très grand sur le fond de la Maison de la Culture, de la grande salle, du grand théâtre, hein, sur un espace qui devait faire 6 mètres de haut sur 18 mètres de large, la phrase suivante. Vous cracherez peut-être sur notre insouciance passée et vous aurez raison. Et pour moi, ça résume tout. C'est-à-dire que vous avez là un auteur qui est sur un théâtre, dans une maison de la culture, qui est fréquentée par des gens multiples de tout horizon, de toute pensée idéologique, qui se retrouve confronté à une question qui est un peu la question fondamentale que posait Xavier Bertrand tout à l'heure, quand il disait qu'est-ce que ça va être ce rapport, est-ce que ce rapport intergénérationnel, il est finalement facteur de développement, d'évolution, d'aller de l'avant sur cette question-là, ou est-ce qu'on va s'opposer sur cette question, puisque manifestement, la question du changement climatique, elle est prise bien plus au sérieux par les générations qui naissent maintenant que par celles qui vont bientôt laisser la place. Et si on ne prend pas au sérieux, comme vous le disiez tout à l'heure, les questions scientifiques, c'est parce que peut-être qu'on n'a pas pris au sérieux et qu'on a gardé cette certaine insouciance. Mmh. Alors où est-ce qu'elle est, la culture ? Elle est à trois endroits. Elle est d'abord parce que la culture, c'est accompagner des artistes dans leur travail de création. Les artistes ont toujours été de tout temps des personnes qui inventaient les langages de demain, qui étaient un peu comme des vigies, comme des sortes de lanceurs d'alerte d'une certaine façon, parce que dans leur façon de regarder le monde, ils nous obligent aussi à faire un pas de côté, à le regarder différemment parfois, à comprendre où est-ce qu'on va, à essayer d'interpréter même des petites choses. On a actuellement à la Maison de la Culture un magicien qui est un des grands maîtres de ce qu'on appelle la magie nouvelle, qui essaye de prendre la magie non pas comme un truc qui va vous émerveiller et puis on va juste sortir en disant j'ai pas compris mais c'était tellement formidable, mais plutôt j'ai pas compris mais quand même là ça pose une question, j'aimerais bien avancer un peu là-dessus. Et donc la magie nouvelle, elle s'intéresse notamment aux questions de mentalisme, elle s'intéresse au fait qu'on vient depuis quelques années, mais de manière massive, le monde entier, tous les humains viennent de déporter une partie de leur intelligence dans une intelligence artificielle, dans des petits objets qui sont des appendices de nous-mêmes, tellement on les utilise, tellement ils sont plus que n'importe quoi d'autre dans nos mains. Son nouveau spectacle, Que du bonheur avec vos capteurs, interroge cette question, renvoie au fait que on a complètement lâché prise là-dessus, ouais. Et que peut-être qu'on peut encore tenir compte de ça. Ouais. Et donc les artistes sont là pour nous accompagner, pour nous emmener, sont des éclaireurs, sont souvent des gens qui permettent de prendre conscience. Ici, dans ce théâtre, il y aura prochainement notre petite Antarctique de Tatiana Frolova, qui est une artiste qui vient du théâtre CNAM. Le théâtre CNAM, il est en Sibérie orientale, donc il faut imaginer quand même qu'elle vient de loin. Pour nous parler de ces questions de dérèglement climatique. On a une artiste comme Anne-Cécile Vandalem dans son spectacle Arctique. Il suffit de dire Arctique aujourd'hui pour qu'on se dise oui, ça doit parler d'environnement, parce que vraiment là il y a une question. Mais au-delà de ça, voilà, les artistes sont là pour ça, pour nous aider à avancer. Ça, d'accord. C'est le premier point. Le deuxième qui est très important. Les deux autres très vite. Très vite. C'est d'une part que la culture, c'est aussi une question d'émancipation collective, individuelle et collective, et que les endroits où on est, c'est des endroits où on doit pouvoir travailler sur le bien vivre ensemble, et le bien vivre ensemble, ça veut dire collectivement, et j'insiste vraiment là-dessus parce que je crois que la réponse, elle est à la fois individuelle dans ce que chacun on peut faire, mais elle est dans ce qu'on peut faire collectivement pour faire avancer le sujet, avec l'idée, comme vous disiez,
que si moi je fais un effort, c'est pas pour que mon voisin ne fasse pas, ou à l'inverse, ouais non mais d'accord, le changement climatique c'est pour les autres, mais moi je vais continuer à prendre l'avion à outrance. Et donc le fait de le faire ensemble, le fait de travailler sur une ville bienveillante, sur un territoire où on travaille ensemble, non seulement sur les questions environnementales, mais en même temps sur les questions sociétales, c'est-à-dire s'occuper aussi des personnes éloignées, c'est totalement lié. Et à mon sens, il faut que dans les endroits de culture, on travaille sur ces deux points associés. Et puis le troisième point, mais c'est un point de tout le monde, c'est que moi je suis directeur d'une maison de la culture, c'est d'abord une entreprise. Je dois me poser les questions de savoir comment est-ce que je peux améliorer mon bilan énergétique, je peux me débarrasser du plastique, je peux faire en sorte qu'à chaque fois que les gens viennent dans la maison de la culture, on puisse réfléchir ensemble à comment améliorer les choses. Il a bien fait de l'inviter, lui. Il me semble, juste après vous, promis, il me semble que vous aviez, je montre du doigt, excusez-moi, vous aviez une question pour Sylvie Chanel, vous. Hein. Ouais. On lui passe le micro. Et après vous, et après on repartira là-bas, d'accord? Moi je voudrais savoir... Donc il se forme au métier de moniteur-éducateur. Moniteur-éducateur, oui. Et dans le métier de moniteur-éducateur, on est amené à travailler avec des personnes en situation de handicap ou des jeunes en difficulté. Et je voudrais savoir comment vous comptez inclure justement ce public avec une certaine fragilité dans la transformation du monde. Ouais. Comment vous faites? Mais c'est quoi votre pratique? Parce que... Alors ça fait 30 ans hein, qu'on s'est donné pour objet social de procurer un emploi durable aux personnes qui sont fragilisées par un handicap. Et notre métier, c'est de vraiment assurer et pérenniser l'employabilité de ces personnes en tenant compte des évolutions de notre environnement. Donc on se doit, alors avec l'intelligence artificielle qui a un impact important aussi sur les métiers que nous exerçons actuellement, mais qui peut avoir aussi des effets bénéfiques, hein, parce que, je veux dire, les évolutions technologiques n'ont pas que des côtés négatifs. Et je pense que vous, nouvelle génération qui êtes née avec ça, soyez vigilants à faire le tri dans ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Faites-en bon usage de ces évolutions technologiques. Hein. Moi, je me rappelle quand même, quand j'ai passé mon bac, que j'avais la règle à calcul. Hein. Je ne sais pas si vous avez eu la règle à calcul, mais bon, après, j'ai eu une calculette quand j'étais à mon DEA, et quand j'ai eu mon dossier Excel, j'ai été émerveillée. Et aujourd'hui encore, 30 ans après, quand j'ouvre un dossier Excel, je me dis, le c'est quand même mieux. Merveilleux. Le dossier Excel. Donc, il y a un bouquin qui s'appelle « Excel sauvera le monde ». Voilà. Donc je pense qu'il ne faut pas jeter non plus. La nouvelle technologie peut avoir du bon à du bon et faites-en bon usage. Donc notre rôle à nous, et je pense de notre société et de la société demain, c'est de ne jamais oublier les plus humbles. Voilà, on n'est pas tous grands, beaux, forts et intelligents. Vous aurez toujours dans la société des personnes qui ont... pas eu la chance de naître avec beaucoup d'atouts ou qui ont eu un accident de vie. Donc c'est à nous à créer une société pour que tout le monde ait encore sa place. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible que l'inutilité. Moi, personnellement, je suis tout à fait contre une société d'assistés. Moi, je trouve le revenu universel, moi, ça, excusez-moi, ça me donne des boutons parce que je pense que tous autant qu'on est, on a besoin de se sentir utile, chacun en fonction de ses compétences, chacun en fonction de ses capacités, mais on doit se sentir utile. Alors ça, c'est une intention, Sylvie, c'est une intention, mais dans un contexte d'urgence, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on aille à l'essentiel et que ces publics en difficulté restent sur le bord de la route des transitions, des transformations? C'est la raison pour laquelle je voudrais que les personnes aussi, les ingénieurs, les personnes extrêmement intelligentes technologiquement parlant, pensent aussi à la société de demain et à la place de ces personnes qui n'auront pas des capacités intellectuelles extrêmement, extrêmement élevées. Il faut aussi qu'on pense à eux. C'est à nous de construire cette société. Et c'est à vous, vous les jeunes aussi, de penser à ne pas exclure ces personnes. Et les métiers de demain, les métiers accessibles, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'essaie d'analyser les signaux faibles et de me dire sur quel métier, sur quelle activité demain il faut former ces personnes-là pour qu'elles soient qu'elles aient toujours leur place dans la société. Alors, je n'ai pas la recette magique, mais en tout cas, c'est une préoccupation de notre équipe et une préoccupation, je pense, de l'ensemble des personnes qui travaillent dans le secteur de l'insertion par l'activité économique. Qui a une question pour
Jean-Pierre Le Tartre ou non, bah, bah, ou pour quelqu'un d'autre, allez-y, prenez le micro. Non, mais c'est d'abord la question. Alors, c'est Emma, allez-y. Alors, ce n'est pas une question pour Jean-Pierre, c'est une question pour M. Delbarre. Aujourd'hui, en fait, les collectivités, quand elles traitent les déchets de leurs habitants, elles payent une taxe à l'État pour le traitement de ces déchets. Et cette taxe, elle va énormément augmenter. Le montant de la taxe va beaucoup augmenter dans les prochaines années. Et j'aimerais savoir si vous pensez que ça peut être une opportunité pour une ville pilote comme l'est Roubaix aujourd'hui, bah, de trouver des innovations, un peu de taper du poing sur la table et de proposer des choses nouvelles pour réduire les déchets dans la commune. Genre tarification incitative, oui, 30% voilà, en Allemagne, 3% en France. Il y a un blème. Oui, mais moi, je suis partisan d'une écologie positive, souriante et pas contraignante. Non, mais je n'ai pas dit que vous aviez dit. Ce qu'on a décidé, nous, de faire, c'est de faire changer les choses sans attendre, en associant le plus simplement possible, c'est-à-dire au cœur de la famille, les citoyens, par un défi des familles, qui n'est pas, à un moment, on s'est dit, on va faire une prime, on va faire une incentive pour que les gens soient motivés. Et on voit que ce qu'on a offert, c'est juste un chemin possible, avec des ateliers très concrets pour dire comment on change de manière de consommer, comment on peut faire soi-même ses cosmétiques. Enfin, chacun y retrouve, il n'y a pas d'obligation. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de petit livre rouge qui donnerait le guide. Mais chacun peut y aller à son rythme. Et moi, je crois plus à cette démarche-là, parce que si on met en place une tarification contraignante, il va y avoir, on est champion en France pour ça, tout un tas de déviances dans les comportements. Et je suis plus partisan d'un volontarisme local et d'une capacité qu'on a à changer les choses, plus qu'à avoir des systèmes contraignants qu'on s'ingéniera à contourner. Parce qu'en France, okay. C'est un sport national. Donc, moi, je vois beaucoup de vertus à ça. Et je vois aussi, et c'est ce que disait Jean-Pierre Le Tartre tout à l'heure, sur la recherche du sens, on voit un parcours, nous. On voit que les familles zéro déchet, y a de plus en plus de gens qui se posent la question après de leur métier et de leur capacité. Vous l'avez dit, d'ailleurs, dans vos parcours aujourd'hui, ça fait partie, dès le départ de vos aspirations, de dire on va rechercher du sens. Mais c'est vrai aussi d'une génération qui vous a précédé et qui se dit faut qu'on change de modèle. Et ça, je pense que c'est le moyen le plus vertueux de changer les choses. Question suivante. Donc c'est une question pour Mathieu Hélène. Je me demandais, parce que si certains des projets innovants basés sur les nouvelles technologies et sur une logique de croissance économique qui sont portés par la REV3 ne sont pas anti-écologiques et inutiles face à l'urgence climatique. Je pense par exemple à Tropicalia, qui est une future grande serre tropicale qui devrait voir le jour en 2021 sur la côte d'Opale, dont ses initiateurs en font... l'intègre au cœur de la REV3. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt nous préparer aux catastrophes climatiques des prochaines années, comme la montée des eaux qui auront de graves conséquences sur les industries côtières comme les centrales de Gravelines, plutôt que de miser sur le tout technologique? Tiens, derrière cette question, il y a aussi, et vous aurez certainement un avis là-dessus, Corinne Lepage, on l'a un peu évoqué hier. La transition, elle est locale avec REV3, avec toutes ces initiatives, mais ne jamais perdre de vue le global aussi, les enjeux globaux, les enjeux macro. Alors, vous deux. Non, vas-y. C'est évidemment très juste. Il y a à la fois ce qui se passe dans le Nord, mais il y a aussi à Jakarta aujourd'hui. Vous voyez, il y a quand même un pays qui va changer directement de capitale. Déplacer sa capitale tout simplement parce qu'on n'a pas pensé de manière globale, comme vous l'évoquez, malheureusement, l'arrivée de l'eau est de mauvaise qualité, et donc on a pompé dans les nappes phréatiques, et donc il y a des quartiers qui se sont effondrés, et donc c'est quand même inédit dans le monde, pour des raisons de montée des eaux et des raisons purement climatiques, et donc des raisons en réalité de non-anticipation de la politique urbaine, on va devoir déplacer une capitale. C'est quand même surréaliste. Ça montre bien l'urgence, ça montre bien l'exigence. Ça répond en réalité aussi à ce que disait Corinne Lepage tout à l'heure. Bien sûr qu'il y a des pans d'activité, mais ça c'est l'histoire du monde depuis toujours, qui vont disparaître. Mais il y en a d'autres qui vont émerger, comme vous l'évoquez là. Et puis il y a une conscience, et ça rejoint Jean-Pierre Le Tartre,
qui va se faire à tous égards. C'est toujours important d'avoir des pensées et des visions globales, mais en réalité, à la fin, c'est la multiplication des actions individuelles, y compris par des gens qui ont des grands effets de levier. Les gens qui ont des grands effets de levier, c'est ce que je vous racontais avec Macron tout à l'heure, mais c'est aussi les grandes entreprises. Donc on pense toujours que Small is Beautiful, et c'est très important que ça démarre dans toutes les petites entreprises, les petites villes, etc. Les comportements de chacun, je ne le nie pas. Mais quand on voit, et je croise un certain nombre de dirigeants de grandes entreprises de temps en temps dans ma vie, il n'y a pas un seul grand patron aujourd'hui qui ne se soucie pas de cela, parce que tout simplement, si une entreprise n'attire plus la nouvelle génération, elle meurt. Donc même si cette personne était un affreux dépositaire du grand méchant marché qui en réalité n'existe pas, hein, j'ai jamais croisé un grand patron qui avait les dents perlantes de son ouvrier ouvert, mais et on sent bien qu'il y a une incitation naturelle de votre génération qui pousse à ce que les comportements changent. Donc moi j'aimerais que cette demi-journée se termine avec un peu plus d'optimisme qu'elle a démarré. Je crois que nous avons là tous les éléments du constat et nous avons là aussi tous les éléments de la solution. Le plurilatéralisme de motif de mobilisation de chacun avec une vraie prise de conscience que la liberté, ça n'existe pas sans son corollaire qui s'appelle la responsabilité. Corinne Lepage. Je suis entièrement d'accord sur la responsabilité. Si on avait vraiment un système de responsabilité, il y a beaucoup de gens qui ne feraient pas les âneries qu'ils font. Parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Ceci étant, oui, on est en face de quelque chose au bord de nos côtes. Vous parliez de Jakarta, mais il n'y a pas que Jakarta. Hein. New York est en train de faire des gros travaux d'investissement de digues et personne ne sait si ça suffira. Hein. Et sur nos côtes à nous, et notamment par ici, du côté de Dunkerque, mais aussi sur toute la côte aquitaine, on est en face de prévisions qui sont quand même assez catastrophiques. 230 mètres du retrait de côte en 30 ans. Oui, oui. Je sais, j'ai défendu les gens du Signal, donc j'ai vu à Soulac-sur-Mer, j'ai vu ce que ça voulait dire de manière très précise. Vous avez une petite ville, hein, c'est pas Jakarta, mais Lacanau, hein, qui est au sud du bassin d'Arcachon, dont le maire cherche à déménager son territoire. Parce que tout simplement, il faut qu'il aille 2 km à l'intérieur. Sauf qu'on n'a pas de système juridique qui permet aujourd'hui de le faire. Voilà. Donc ce n'est même pas une question d'argent, mais aussi une question, qu'est-ce qu'on dit aux gens qui sont propriétaires au bord de l'eau? On ne peut pas les exproprier, on peut pas... Voilà. Ça, c'est du local global qu'il faut que nous apprenions à gérer, à nous poser des questions qu'on ne se posait pas. Évidemment, ouais. Quand on concevait nos projets, au cours des 40 dernières années, on n'imaginait pas que peut-être le dit projet, il disparaîtrait dans 10 ans à cause du dérèglement climatique. Bien sûr. Et ça fait partie aussi de la réflexion sur les investissements et la réflexion du monde de la finance, qui se dit qu'il ne peut plus investir dans certains secteurs parce que tout simplement, ça ne sera pas rentable. Et on discutait tout à l'heure à propos du dernier ouvrage de Jérémy Rifkin, à laquelle sorti la aujourd'hui. Région est très attachée, qui explique que les fonds de pension américains aujourd'hui changent leur modèle d'investissement tout simplement parce qu'ils pensent que leurs retraités n'auront pas leurs fonds assurés si on continue à investir dans les hydrocarbures ou dans le... Alors, je ne parle même pas du charbon, mais charbon, je dirais que c'est derrière nous. Maintenant, la question, c'est les hydrocarbures. Et d'abord, le pétrole, puis le gaz, ce sera le coup d'après. Voilà. Donc, on est dans une profonde transformation avec des questions qu'on ne se posait pas. Alors, tac, Annette. Ah ben, il y avait un micro à côté de vous. Ben, allez-y. Hein, vous trois, vous avez parlé, hein, c'est pour que tout le monde ait la parole. Hein. Il nous reste une dizaine de minutes. Ok. Alors, tout à l'heure, Monsieur Drano, vous avez parlé d'insouciance. Là, on parle du coup de manque de ressources avec le pétrole ou les hydrocarbures. J'ai entendu parler de consommation, de changement de comportement et de technologie. Moi, j'ai une question. Sur le fait que par notre consommation, nous sommes toutes et tous responsables en quelque part des inégalités présentes dans le monde. Le confort occidental s'est construit et continue à se construire au prix de la pauvreté d'autres sociétés victimes de l'accaparement de leurs terres, et notamment pour mettre des métaux rares dans nos technologies. Alors j'ai une question sur, pour les produits, services et technologies qui ont été présentés dans ce forum, qui sont en cours dans REF 3, comment vont-elles contribuer à réduire les inégalités
sans exporter les pollutions et sans augmenter les inégalités extraterritoriales dans le monde. Gert, c'est pour on prend Gert, Jean-Pierre. Allez-y peut-être. Gert. Moi, alors, je vais juste répondre par... Laurent Gert, sur une chose, pas sur l'aspect technique, parce que je ne me sens pas très capable, mais simplement parce que, et parce que votre question, elle rejoint un point qu'on abordait tout à l'heure, quand vous parliez de Jakarta. Moi, ça me paraît être comme dans un conte que j'ai souvent entendu, parfois qu'on a vu en dessin animé, vous savez, la belle histoire où à la fin, c'est la fin du monde, et puis, mais il y a quand même le héros qui s'en sort, et donc il part dans la fusée, puis derrière ça explose, sauf que le héros aujourd'hui, c'est les pays riches qui vont quand même s'en sortir, parce que on va finir par déplacer la canot, peut-être on va réussir à ranger nos côtes, ça va nous coûter un monstre d'argent. Tout l'argent qu'on aura mis là, on ne l'aura pas mis dans le développement durable de pays qui, pendant ce temps-là, seront en train de crever. Et cette question de solidarité qui dépasse, qui est super importante au niveau local, mais qu'on ne peut pas penser si on ne la pense pas au niveau mondial, elle me paraît fondamentale. Et ça, c'est quelque chose que les artistes ont raconté de tout temps, mais à laquelle on est confronté. Et encore une fois, nous, on va s'en sortir parce qu'on aura l'argent. Mais tout ce qu'on aura fait pour nous, on ne l'aura pas fait pour les autres. Bien sûr. Et on compte... On creusera le sillon et la fracture encore plus. Alors, Gert et Jean-Pierre. Alors c'est important c'est parce que ça pose la question de la responsabilité des entreprises et le périmètre. Bon, il y a du progrès là-dessus. Hein. Donc, tout à l'heure, je pourrais peut-être passer comme un peu pessimiste parce que je souligne le réalisme et l'importance de défis plutôt et éviter d'être naïvement optimiste. Mais dans ce cas-là, je suis optimiste plutôt. Quand on voit comment aujourd'hui les entreprises tiennent compte ou dans leur périmètre de responsabilité acceptent l'idée d'une responsabilité pour la chaîne d'approvisionnement, que c'est pris en compte et il y a tout un suivi aujourd'hui. Et donc, qui ne va pas encore assez loin, hein, mais on est sur une autre planète. Il y a 10-15 ans, les gens pouvaient encore juridiquement. Le sous-traitant, c'est une entité juridique différente. On n'a aucune responsabilité, on est seulement client. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, y compris par rapport aux violations des droits de l'homme dans certains pays. C'est depuis les principes de Ruggie qui sont développés. Donc ça avance beaucoup et les entreprises prennent en compte de plus en plus. C'est aussi sous pression de... en termes de réputation, etc., etc. C'est pas parce qu'ils sont des anges, mais il y a aussi une pression extérieure, et donc ça avance. Et donc, je suis plutôt optimiste par rapport à l'évolution. On est loin du compte, hein. Encore une fois. Je voulais juste ajouter quelque chose tout à l'heure. On a souligné les jeunes gens qui sont très motivés par les entreprises qui sont plus responsables que d'autres au niveau recrutement. Je viens de lire un rapport. On a fait un questionnaire dans une vingtaine de business schools dans le monde, top un peu européen, américain, asiatique, Afrique, Amérique latine. Et donc, on voit que 86% des jeunes gens, quand ils ont deux offres pour un job, vont préférer celui avec la meilleure réputation RSE, clairement. Bien sûr. Clairement. Non, ça c'est clair. Mais seulement quand on demande combien vous êtes prêt à sacrifier en termes de revenus, si vous avez deux offres, vous avez une entreprise avec une réputation exécrable et une autre, on est seulement à 44% des gens qui sont prêts à sacrifier une partie de leurs revenus pour travailler dans une entreprise responsable. Donc on est là. Évidemment, ça progresse énormément, et notamment en Europe et en Amérique latine, et pour des raisons qui s'expliquent, contraintes matérielles, etc. En Afrique et en Asie, on n'est pas encore à ce pourcentage. Mais même là, les jeunes gens commencent à réfléchir sur ça. Donc il y a énormément de progrès, mais en même temps, il y a du chemin. Bien sûr. Jean-Pierre. Oui, en fait, tu as dit une partie de ce que je voulais dire, donc je vais être plus rapide. Mais ce que j'avais envie d'ajouter, c'est que, vous savez, la réputation, ça a commencé avec l'affaire de Nike il y a 15 ans à peu près, où ils avaient découvert qu'ils faisaient sous-traiter la fabrication, etc. Maintenant, je pense que toutes les grandes entreprises sont tellement sujets à la pression, et tant mieux, médiatique des réseaux sociaux, que franchement, aujourd'hui, je peux vous dire que si jamais vous êtes dirigeant d'une succursale, d'une filiale, et que vous faites gauler sur un truc comme ça, vous êtes viré du jour au lendemain. Donc, je pense qu'il y a vraiment un progrès énorme qui a été fait parce que la marque et la réputation de la marque est plus importante que tout. Donc, je voulais faire un petit commentaire plus général pour votre génération, si je puis me permettre. J'ai sûrement peut-être me faire virer. Bon, on trouvera un autre président, mon cher, pour le World Forum. Moi, je suis, franchement, je ne peux que vous inciter à continuer à faire pression. Et à pousser les sociétés, les politiques, les chefs d'entreprise à réparer leurs dégâts, oui, de ma génération. Mais ce que je voudrais,
c'est que quand vous faites cette pression, vous en fassiez une analyse la plus fouillée, précise possible. On ne peut pas aligner dans votre question, il y a ça, faire un peu l'inventaire, un peu de tous les éléments, et sans qu'il y ait vraiment une analyse. Vous prenez les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies sont une opportunité fantastique pour l'environnement et les inégalités. On parlait du handicap, je connais beaucoup d'entreprises, et vous en connaissez madame, qui ont développé des produits qui permettent de soulager le handicap de mental ou moteur. Vous prenez les inégalités. On a effectivement jamais autant sorti. On n'a jamais eu autant une population en sous-alimentation aussi faible dans le monde. En revanche, ce qui est vrai, c'est que dans les pays riches, on a créé plus d'inégalités. Il y a moins d'inégalités dans le monde, mais il y en a plus dans les pays matures. C'est une analyse. C'est un fait. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que on travaille les questions. Parce que je pense que si vous voulez que votre pression soit positive, il faut qu'elle soit documentée. Et je ne peux, et avec nous aussi d'ailleurs, c'est pareil, hein, et ne pas faire un amalgame. Voilà. Vous êtes d'accord, ce que je voulais dire. Ça, oui. Annette, très vite, et après les deux dernières questions. Pas de souci pour la prochaine fois, mais on nous a dit 45 secondes. Ah non, mais c'était pas par rapport à la question. Non, c'est pas par rapport à la question. C'est pas par rapport à la question. C'était un commentaire général, oui. Voilà. Ouais, on a beaucoup parlé, vous en parliez, de la nécessaire évaluation. Donc, il faut rien lâcher et continuer à mettre un pied dans la porte, mais sans arrêt, mesurer, analyser, évaluer, toujours. Hein, c'est important, bien évidemment. Alors, les deux dernières questions, vous. Merci. Donc, nous avons dit qu'il y a la volonté de faire la lutte contre les changements climatiques, mais la réalité, c'est autre. Par exemple, nous avons la volonté d'aller à la Lune, à l'espace, à Mars, mais pas pour faire lutte contre la pauvreté, l'inégalité et d'autres problèmes. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de ressources financières, humaines, économiques. Nous avons besoin, par exemple, de beaucoup d'entreprises avec responsabilité sociale, des coopérations internationales décentralisées entre les collectivités territoriales, et beaucoup des accords internationaux, régionaux, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il manque pour vraiment changer la réalité? Monsieur Trump passera-t-il à la caisse pour réparer les dégâts? C'est ouvert, c'est ouvert. Qui veut répondre là? Je vais me tourner vers mon voisin. Je dirais, et c'est pas l'argent qui manque, hein, parce que l'argent, il y en a, on le met sur tel ou tel sujet, mais on en a de l'argent. Il va pas forcément là où il faudrait, mais il y en a. Je pense que c'est une question d'imaginaire. Aujourd'hui, vous faites rêver les gens avec l'idée qu'on va pouvoir aller sur Mars. Moi, j'appartiens à la génération qui est allée sur la Lune. Pas moi, évidemment. Mais j'avais même pas 20 ans quand l'homme a marché sur la Lune. C'était un truc extraordinaire. Ah ouais, on était tous devant la télé. On était tous devant la télé à 4 heures du matin pour regarder ça. Quoi. C'était extraordinaire. Bon, ça faisait rêver. C'est l'imaginaire. Aujourd'hui, vous faites plus rêver les gens en disant on va aller sur Mars que leur dire on va réduire de 0,5 degrés le dérèglement climatique. Voilà. Donc on a un vrai problème de représentation et d'imaginaire pour nous mettre vraiment en marche. Bon, et ensuite il y a tout le reste, il y a les intérêts économiques, il y a tout ce que vous voulez. Mais je pense que la question de l'imaginaire, de la représentation de l'avenir que nous avons, c'est quelque chose de vraiment très important. C'est intéressant parce que, en fait, les seules images que l'on a, ce sont des images de catastrophe. On n'a que ça à se mettre sous la dent. Ah oui, alors qu'il faudrait nous emmener vers le beau. Oui, mais d'accord, mais comment vous le construisez quand vous ne savez même pas où on va? Parce que le beau, si on a plus 3 degrés, ça ne peut quand même pas être topissime. Hein, bon. Voilà, comment vous construisez ça, comment vous donnez vraiment envie d'y aller? Alors nos jeunes, ils sont quand même très motivés parce qu'ils ont bien compris que c'est leur peau. Peut-être pas la nôtre, parce qu'on est trop vieux, mais la leur, oui, elle est en cause. Donc ça, ils ont compris, mais c'est pas très
positif quand même, de dire je fais ça parce que je veux pas mourir, c'est pas terrible. On aimerait dire je fais ça parce que ça va être formidable, le monde va être meilleur, mes enfants vont être plus heureux, on va vivre autrement, etc. Non, c'est pas ça. Avant de mourir, vous avez une dernière question? Je suis un peu carré, hein, je suis désolée. Alors ma question, c'était pendant les dernières années, notamment sous l'impulsion de l'Organisation mondiale du commerce, on a fait passer énormément d'accords bilatérales et multilatérales. On peut penser au CETA et TAFTA qui ont été votés puis ratifiés. Vous avez notamment, Corinne Lepage, dans vos travaux et notamment vos rapports, évoqué le fait qu'il fallait créer une gouvernance environnementale internationale, être peut-être plus coercitif aussi, parce qu'on le sait, on l'a vu à la fin du XXe siècle, on ne l'a pas traité, mais beaucoup de personnes l'oublient. Mais par exemple, le problème de la couche d'ozone, on n'en parle plus. Il y a plus, en fait, on a résorbé le trou dans la couche d'ozone parce qu'il y a eu une pression des scientifiques. Et du coup, ça pose la question, s'il y a eu une pression des scientifiques, si... il y a cette pression des scientifiques comme on l'a aujourd'hui avec le GIEC qui a été créé d'ailleurs au même moment où on a résorbé ce trou. Est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment créer cette gouvernance, être plus coercitif? C'était beaucoup plus facile. D'abord, ce n'est pas tout à fait fini l'histoire du trou de la couche d'ozone, point 1. Point 2, c'était beaucoup plus facile. Vous aviez 8 entreprises dans le monde qui étaient concernées. Bon, à partir du moment où on avait la solution technique, qui était la chaîne du froid, qu'on a remplacé les CFC par des HFC, ce qui n'est pas beaucoup mieux, puisque maintenant on est embêté avec les HFC. On avait résolu. Alors bon, il y a eu un peu de fraude, il y a eu un peu de trucs comme ça, mais c'était assez facile. Là, c'est tous les humains qui sont concernés par les hydrocarbures. Donc ce n'est pas du tout de la même ampleur. Alors je terminerai juste avec un petit mot d'optimisme, parce que j'ai été très bavarde et je vous prie de m'en excuser. J'ai eu la chance d'entendre il y a 4 jours à Genève le secrétaire général du GIEC. Il nous a dit 2 choses que j'ai retenues. La première, nous au GIEC, on ne fera plus de constats, maintenant on est dans les solutions. On sait tout ce qu'on doit savoir. Vous avez vos responsabilités, vous savez. Vous savez que si vous ne faites pas dans les 2 ans, ce n'est pas 1,5 degré, ce n'est pas dans les 10 ans, ce ne sera pas 2 degrés, etc. Vous savez tout. Nous, maintenant, on va s'intéresser, on va vous faire les propositions sur les solutions. Et il a dit, notre but, c'est que climate change devienne climate chance. Et ça, je trouve, c'est un beau challenge. Voilà, alors je vais terminer avec ce mot d'espoir. Alors... non, encore un truc à dire, parce que évidemment, on va vous demander à chacun d'entre vous, alors Jean-Pierre, on le connaît déjà, votre engagement perso que nous allons poster sur notre plateforme. Sylvie, Mathieu, Gerd, enfin, commencez. Allez-y. J'ai le micro. Mon engagement perso, puisque je suis très en lien avec le monde académique, c'est d'identifier... Vous allez voir, c'est très précis, mais c'est vraiment en lien avec ce qu'on dit. C'est d'identifier les quelques très bons cerveaux à travers la planète, parce que je ne joue pas pour qu'on serait franco-français, qui pourraient aider à objectiver la méthode de calcul et d'évaluation sur ces thématiques-là. Comment on peut... Il y a des gens formidables, je commence à en croiser et à en connaître, mais je voudrais vraiment essayer de screener, pardon, je parle mal, mais le monde, pour identifier qui sont les meilleurs et ensuite les porter au moins auprès du gouvernement français et puis après peut-être plus largement. Mais cet engagement-là, je m'y tiendrai vraiment. Très bien. Précis. On aime bien les engagements précis. Sylvie Chenel. Alors moi, mon engagement, il est toujours le même, c'est de maintenir l'employabilité de nos salariés actuels et à venir. Moi, j'avais 2 messages à passer parce que, je vais vous dire très franchement, ça m'exaspère qu'on culpabilise nos parents et grands-parents pour ce qu'ils ont fait. Nos parents et grands-parents, ils ont fait des choses très bien et ils ont fait des conneries, certes. Et je trouve que... Et on revient à certaines de leurs pratiques, d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Oui, oui, bon... Aujourd'hui, il y a un constat, il faut faire différemment. Je veux dire, c'est quand on manage des salariés, c'est pareil. Hein. Soit on leur tape sur la tête en disant « c'est pas bien, c'est toi qui es responsable, c'est pas bien », ou on essaie de trouver des solutions ensemble, d'avancer ensemble, d'analyser et de mettre en place des actions pour corriger. Et je trouve que la nouvelle génération en a conscience, mais il faut arrêter... Enfin, je pense qu'il est dangereux d'opposer nos parents, nos grands-parents avec nos enfants. Non, vous devez prendre aussi les bonnes choses et les moins bonnes et corriger les mauvaises choses que nos générations ont pu faire, mais arrêter de nous opposer. Enfin, moi, je trouve ça très dangereux. Et puis, la deuxième chose aussi, moi, j'ai vu, quand on est honnête avec soi-même,
quand on est honnête avec ses partenaires, les parties prenantes, eh bien on fait des choses extraordinaires. Les difficultés, elles s'effacent quand on est vraiment honnête entre nous. Voilà. L'honnêteté, la sincérité. Votre engagement. Ah, moi, c'est l'employabilité. Ah oui, l'employabilité. Ça va ? On a noté ? Sylvie Chesnel. Alors, Laurent ? Oui, alors moi, j'ai deux engagements parce qu'il y en a un qui va être visible facilement, c'est qu'on va arrêter totalement tout ce qui est bouteilles plastiques dans notre théâtre. Et vous savez, sur tous les plateaux de théâtre, c'est tellement pratique, les bouteilles plastiques, que c'est une petite révolution. Le Théâtre du Nord l'a fait, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas aussi. Et puis, on va faire quelque chose qui est moins visible, mais en fait, qui est plus important peut-être du point de vue énergétique, c'est-à-dire qu'on va s'engager vraiment sur un bilan énergétique de la Maison de la Culture. Tu l'as dit tout à l'heure, créée en 1966, comme beaucoup d'établissements, comme beaucoup de maisons, et il n'y a pas que des maisons de la culture et des établissements culturels. C'est des bâtiments qui sont dévoreurs d'énergie. Si on ne se prend pas par la main, et là, il faut le faire collectivement, parce que ce n'est pas que nous, c'est avec la collectivité, c'est avec Amiens Métropole qu'on va essayer, à partir de ce bilan énergétique, de réduire la facture générale. Merci. Deux engagements notés. Alors, on les note, là, hein, au fur et à mesure. Guillaume ? J'ai rendez-vous à 17h à la préfecture, et comme je pense que c'est mieux quand on veut accélérer la transition énergétique et écologique, ben je vais y aller à pied. Et mon engagement... Non, 152 mètres. 152 mètres. Ouais, mais... Non, mais... Ah, à pied de Roubaix. Non, je ne vais pas retourner à Roubaix pour... Je ne vais pas retourner à Roubaix, mais mon engagement, c'est plus de mobilité douce, parce que je pense que quand on veut accélérer une transition, il faut savoir ralentir dans la vie. Donc, plus de mobilité douce et de vélo, au-delà du clin d'œil sur la préfecture. Je pense là-dessus qu'au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, le côté démonstrateur qui peut servir à d'autres, mais qui a un engagement politique, je pense que je voulais toucher la vie perso et le côté intime et la capacité à se déplacer différemment. Et c'est vrai que quand on a une vie où on essaie de rajouter des rendez-vous, d'accélérer, d'en faire de plus en plus, c'est pas mal de temps en temps de se dire qu'il faut marcher davantage et prendre le vélo. Je pense que c'est un engagement concret qui n'est pas si facile à tenir. Donc, très précisément, merci. On note votre engagement et dans les semaines à venir, le Bureau des engagements reviendra vers vous pour évaluer les pas que vous avez franchis. Je terminerai avec vous, Corinne Lepage. Gert. Les bouteilles en plastique, tout ça, c'est déjà fait. Les decks, maintenant, on n'a plus ça. Mais en fait... Quand on discute sur l'empreinte carbone des académiques, parfois on parle un peu d'imprimé, moins imprimé, tout ça, mais en fait c'est tout ça, c'est peanuts, c'est rien du tout. Notre vrai problème, c'est l'avion en fait. Les gens prennent énormément d'avions, et surtout les DEC avec les deux campus Lille-Nice, pour un oui ou un non. Et en fait, on n'est pas servi non plus par les prix qui sont très bas, pour 50 euros en fait l'aller-retour. Et donc, personnellement, je prends tout en... En fait, mon engagement, c'est de me battre personnellement, mais aussi au niveau de l'école, pour qu'au moins réfléchisse sur des critères et qu'on diminue de moitié la zélatour en avion, quoi. C'est pas possible. D'accord. Trafic avion divisé par deux pour les DEC. Ok. Corinne Lepage. Alors. Pour Gert. Non, la communauté. Hein, ouais. Bon, moi, au sein de mon bureau, on fait déjà pas mal de petites choses sur l'électricité, on est NERCOP, on a la bouteille plastique, on a nos livraisons à bicyclette, enfin, on fait déjà un certain nombre de trucs. Et je vais prendre deux engagements. Le premier, c'est que, comme beaucoup, je me sers énormément de mes moyens virtuels. Essayer de faire un peu de sobriété virtuelle, de réduire mes envois de mails, mes envois de photos, voilà, tout ça. Parce que je pense qu'on est très consommateur de choses qui ne sont pas forcément utiles, très franchement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, je sais qu'il existe maintenant des possibilités de faire son bilan carbone tout seul, comme un grand. Donc, je vais faire mon bilan carbone, que je n'ai pas encore fait. Et puis, essayer d'améliorer ma situation. Voilà. Et vous pourrez compenser aussi ? Ah, bien sûr, je pourrais compenser. Il y a déjà une chose que je fais... Alors, je vais vous dire tout. Ça m'arrange parce que je me déplace moins. J'essaye de faire de plus en plus de la téléconférence. Et de ne pas me déplacer, ça coûte moins cher.
Bien sûr. Et c'est efficace. C'est efficace et ça fait zéro carbone. Sauf évidemment l'électricité qu'il faut pour l'échange. Mais voilà. Et ça, je voudrais vraiment le développer parce que les moyens modernes permettent une interaction. Incontestablement, on apparaît sur grand écran, on parle, on peut répondre aux questions des gens. Enfin, je veux dire, c'est vraiment très bien. Alors, pourquoi forcément aller faire des centaines de kilomètres, voire des milliers, quand on peut faire de chez soi ? Bien sûr. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à développer. Un grand merci à vous tous. Merci beaucoup. Est-ce que je peux vous garder encore 5 minutes ? Non ? Vous avez 40, hein, vous avez l'échéance de 40. Donc juste pour conclure, et que vous soyez là, ça me paraît pas mal. Philippe Vasseur, vous nous rejoignez, Jean-Pierre Le Tartre également, pour faire le bilan, si on peut le faire, de ces 3 journées, la commande, vous l'aviez bien exprimée à l'ouverture, Philippe, et l'invitation à Légoton. Alors Légoton, on va compter les points dans quelques instants, mais juste avant... ton évaluation de ce qui a été produit là, pendant ces 3 jours. Bon, je crois qu'on a produit beaucoup de choses. Il y a une chose sur laquelle j'insiste. J'entends toutes les protestations, toutes les frustrations, mais je le répète, j'aurai peut-être l'occasion de m'en expliquer un peu plus tout à l'heure, j'attends plus de contributions, c'est-à-dire d'engagement de la part des uns et des autres. Nous, on s'engage pour essayer de trouver un certain nombre de solutions. Il y en a qui avancent. J'ai bien entendu, par exemple, qui a parlé tout à l'heure des problèmes des terres rares et des métaux stratégiques. C'est vous ? Oui, c'est honnête. Ouais. Ben, on est en train de travailler sur une réponse, parce qu'il y a des réponses possibles qui peuvent nous éviter d'aller justement chercher ces minerais et ces terres rares ailleurs et à se servir de ce que nous avons ici dans cette région. Il y a une technologie qui s'appelle technologie. Il y a une méthode qui s'appelle l'économie circulaire et on est en plein dans l'économie circulaire. Et là, ce n'est pas du baratin, ce n'est pas un projet qui est en... c'est du concret. Et puis au-delà, il y a d'autres, tu me faisais remarquer, hein, le directeur régional de l'ADEME me faisait remarquer, qu'il y a d'autres technologies peut-être demain, notamment avec le biomimétisme, qui peuvent permettre d'économiser ces terres rares et ces métaux stratégiques. Donc on a encore foi dans le progrès, et on pense que le progrès, c'est une autre croissance, une autre façon d'avoir la croissance. Une croissance qui soit plus inclusive, qui soit mieux répartie, qui ne soit pas simplement basée... Je suis désolé, mais moi, je fais partie de ceux qui pestent en permanence contre la dictature du PIB. Le PIB, je suis désolé, il y a une catastrophe, on casse un carreau, on contribue à augmenter le PIB. Il faut qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une autre appréciation de la croissance plus qualitative et certainement tenant davantage compte du bien-être des gens partout sur la planète. Parce que nous, ici, on est des privilégiés, mais il y a d'autres problèmes sur la planète. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Mais je pense qu'à chaque fois, on progresse. À chaque fois, on met le doigt sur ce qui ne va pas. À chaque fois, on voit bien quels peuvent être nos manques. Et puis, on continue d'avancer. Bon. Alors, Légoton, dans quelques instants. Jean-Pierre, ta propre évaluation de ces 3 journées. Ben, écoute, moi, c'est la première fois que je fais les 3 journées. J'aurais peut-être dû le faire avant. Excuse-moi, Philippe, mais j'étais pas beaucoup sur l'île, comme tu le sais. Je suis très sincèrement, et quand j'écoute les gens qui ont participé, aussi très positivement impressionné par la qualité des débats. Je trouve que c'est surtout ça qui m'a particulièrement frappé, aussi bien sur cette scène que dans les ateliers. Et je voudrais dire... à toi, Philippe, bien sûr, qui a été le créateur de ça, aux équipes du réseau Alliance, hein, qui ont contribué avec toi à faire ça. Je rappelle d'ailleurs que le réseau Alliance, il a été créé il y a 25 ans par des chefs d'entreprise sur la RSE. C'était quand même relativement anticipateur, RSE, innovant. Il y a 25 ans. Il y a 25 ans. RSE, il y a 25 ans. C'est qu'en fait, vous avez créé, et aujourd'hui, je l'ai vraiment senti, un véritable fonds de commerce. Un fonds de commerce sur la RSE qui comprend de l'expérience, de l'expertise, des réseaux, de l'influence et des actions. Les actions, c'est notamment REF3, hein, qui a été créé à l'issue de réflexions au cours de ce World Forum,
Et donc, ce fonds de commerce, eh bien, la responsabilité que nous aurons pour la suite, mais j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, ou tu veux que je dise maintenant, comme non, tu veux. Non, parce que... Non, je reviendrai continue. Après. Je continue. Non, non. Non, après. Non, après. Après. notre responsabilité, ah, chef, ça va être de faire progresser. Ouais. Et donc, en fait, mon point aujourd'hui, c'est que, et il faut que chacun, et je pense que chacun vous le ressentez, pour ceux qui sont venus depuis plusieurs années, ou ceux qui sont venus pour la première fois, c'est qu'effectivement, on a là un formidable, j'appelle ça fonds de commerce, ouais, c'est bien. Compte, le fonds de commerce d'un potentiel d'accompagnement des entreprises des territoires à la transformation. Il a le sens de l'image, hein, le bord au centre, ah, oui, le fonds de commerce, mais on garde tout ça, c'est précieux. Non, mais c'est précieux. Mais j'en ai d'autres. Alors, hein. Il faut regarder pour les éditions suivantes. Alors, les gotons. On peut afficher le compteur ? On affiche le compteur du nombre d'engagements collectés. Noémie, tu as eu le temps de saisir les... Ah, c'est pas mal, hein. Ah, ouais, 756. Ah, c'est pas mal, c'est bien. Hein, c'est bien. Et surtout que c'est sans tricher, on peut le dire. Hein. Non, d'autant que ça a été retraité des oui. engagements mesurables. Hein. Ah, hein, donc, il y en a qui... C'est un puré, sorti. C'est du pur jus. Philippe ? Pour moi, c'est un échec. Non, non, non. C'est un échec, bon, mais... L'échec ne m'a jamais découragé. L'échec, pour moi, c'est plutôt pour rebondir. Je suis déçu, je le dis tout à fait clairement. J'avais fixé un objectif, il n'est pas atteint. J'avais dit qu'il nous faut 1000 engagements. Ça doit être tout à fait possible. Il est passé dans ce World Forum cette année un peu plus de 4000 personnes. Voilà le résultat, c'est que nous avons seulement 756 engagements, qui ne viennent d'ailleurs pas tous du World Forum. Je vous rejoins, hein, madame. Quand vous dites, moi j'ai aussi des enfants, même des petits-enfants, quand vous dites, tu veux aller nettoyer la planète, commence par ranger ta chambre. Bon, c'est un peu cruel, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que je pense qu'on a chacun la possibilité d'apporter sa pierre. Hein, on passe de la posture qui est la posture de revendication à une posture de contribution et d'engagement. Alors moi, je vais prendre un troisième engagement, puisque j'en ai déjà pris deux. Je vais aller évangéliser, notamment dans les lycées et dans les établissements d'enseignement supérieur qui voudront bien l'accepter, pour faire en sorte que l'on recueille un peu plus de 1000 engagements dans les semaines qui viennent. Très bien. Donc le compteur va continuer à tourner. Et compter sur nos médias pour accompagner cette dynamique, bien évidemment. Jean-Pierre. Si tu veux que je fasse le mot de la fin, là, ça y est, là, c'est le mot de la fin. Bon. D'abord, je pense, Philippe, que au fond, tu as eu raison de le dire, parce que ça va booster les engagements juste après ton message, et qu'on va monter sur cette question-là. Je pense que pour faire le lien avec ce que tu... Bon, d'abord, oui, pour dire un petit mot et conclure, après, ouais, je reviens. Pour revenir sur ce que tu dis, je pense que ce qu'on a aussi entendu aujourd'hui... tu l'as dit, Philippe, plusieurs fois, c'est la notion de se mettre en action. Et au fond, mon engagement complémentaire, j'en ai déjà posté quelques-uns, mais mon engagement complémentaire, j'ai posté le vélo électrique, je voulais te dire, monsieur le maire, j'ai vu. Donc, mon engagement pour le World Forum et au nom de l'ensemble des équipes du World Forum, c'est de faire de cet événement le lieu incontournable dans le monde de l'action en faveur de la transformation des territoires. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et aujourd'hui, on a, dans cette région, grâce à ceux qui ont réalisé tout ce qui a été fait, au travers de vous tous, du réseau Alliance, de toi, Philippe, les ingrédients, je ne vais pas reprendre le fonds de commerce, pour faire monter effectivement cet événement comme l'endroit où on va voir la transformation des territoires et comment elles évoluent. Et au travers, bien entendu, de réflexions, de contacts avec les scientifiques, parce que la science est essentielle, mais aussi au travers des actions. Et un autre élément que je voudrais ajouter, au fond, Xavier Bertrand l'a dit tout à l'heure, mais aussi au travers de la mesure. Parce que toute action n'a d'impact que si elle est mesurée. Et au fond, le sujet de la mesure de la transformation de territoire est un bon sujet qui, en fait, est le indispensable à la mise en œuvre des actions. Donc c'est ça mon engagement pour le World Forum. Donc pour cela, d'ailleurs,
Nous allons lancer quelques groupes de travail dans les semaines qui viennent pour travailler sur, au fond, j'avais envie de dire, le rafraîchissement de la raison d'être du World Forum. Et donc, on va travailler là-dessus pour effectivement retrouver cette capacité anticipatrice pour prévoir quels seront les thèmes très importants dans 10 ans et pour être acteur de cette transformation mesurable. Je voulais aussi, bien évidemment, en cette séance, remercier, bien sûr, Philippe, d'abord et avant tout, pour ces 13 années, pour le joli cadeau qu'il m'a fait. J'ai pas pensé que c'était un cadeau au début, en fait, tu vois. Je me suis dit, bon, ça y est, déjà le comité Grand Lille, le World Forum. Il y a une chose toi, qui ne va pas me filer, et ça me rassure, c'est le ministère de l'Agriculture, parce qu'il ne peut pas me le filer. Donc, je voulais te remercier, parce qu'après ces 3 jours, et ces quelques mois, ces 3-4 mois d'apprentissage avec les équipes du Réseau Alliance et du World Forum, ben, je pense que pour finir, tu m'as fait un cadeau. Donc, je voulais te remercier. Je voulais remercier toutes les équipes du Réseau Alliance. Et nous rejoindre l'équipe. Jean-Michel aussi, je voulais te remercier parce que tu es notre animateur vraiment préféré. Et on t'applaudit très fort. Depuis le début, ça ne se voit pas, mais il a au moins 13 ans. Et toi aussi, tu m'as fait un super cadeau. Et donc, je vais demander au Réseau Alliance et toutes les équipes de bien vouloir me rejoindre, nous rejoindre sur scène, sous un tonnerre d'applaudissements. Parce qu'ils sont, eux, engagés dans la transformation. Voilà, et il y a un petit quelque chose pour toi. Voilà. Voilà, alors, voilà, mettez-vous autour de... Mettez-les devant, là, mettez-les devant, voilà, dans l'ordre, hein, dans l'ordre. Hein. Voilà, si vous pouviez les mettre dans l'ordre, hein, voilà. Mettez-vous dans l'ordre, s'il vous plaît. Voilà, ce sont toutes les affiches du World Forum. Voilà, vous les mettez dans l'ordre, hein. Vous les avez mis dans l'ordre, là. Où est la première affiche? Montrez, elle est où? Attendez, je regarde un peu. Elle est où la première? C'était quoi? C'est celle-là? La première, elle est où? Voilà, celle-là, voilà. Voilà, les rencontres internationales pour la diversité et l'égalité des chances. Les bonnes pratiques. Vous savez, en fait, c'est intéressant de voir les titres parce que tu vois l'évolution de la thématique, en fait. Hein. Tu vois, on voit... Les thématiques que nous avons choisies ont souvent eu un temps d'avance. C'est-à-dire qu'on a choisi les thèmes et développé nos forums. Et après, se sont passés. Ça a été le cas de la crise financière, quand on a fait l'argent responsable, etc. Alors, il y a un cadeau complémentaire, parce qu'on sait que comme tu fais des économies d'énergie, hein, tu n'as pas une assez grande maison pour mettre toutes les affiches, on t'a fait une synthèse. Voilà une façon d'économiser aussi, vous voyez, les ressources. Voilà. Bon, alors je vous demande d'applaudir très fortement Philippe et l'ensemble des équipes du Réseau Alliance, voilà, qui contribuent peut-être à ce qu'on vive dans un monde meilleur. Merci à vous tous et donc rendez-vous l'année prochaine. Et puis donc on reprend la playlist d'Annette avec Stay Alive pour nous quitter. Voilà, faites vos photos. Merci à tous.